Et bonjour à tous! Bonjour! J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est difficile ce matin, le Geek Morning. Bonjour, et il est 10h02. On a pris une minute en retard, excusez-nous hein, du peu. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur OGaming et c'est le Geek Morning. Sandra, ta connexion bug déjà, ne commence pas, hein? Bah ouais, j'ai vu ça, T'as un t'as fait lag. t'as parlé puis t'as Non, fait c'était la tienne, C'était la d'accord, je tienne. crois. Non, c'était pas la mienne. Non, Non, mais désolé. c'est Free qui me troll depuis hier, et puis en fait, voilà quoi. Donc je disais bonjour à tout le monde, bonjour Dap, bonjour Sandra, bonjour Bonjour. Moderate, on va revenir un petit peu sur la composition de l'équipe aujourd'hui, elle est un petit peu bizarre, hein, donc c'est pas Oh ce qu'on là a d'habitude. Alors Dap nous a rejoint, il remplace Vince qui a eu un petit souci, donc voilà, il a pas pu être là ce matin, donc Dap le remplace, Dap qui n'a absolument du coup rien prévu, mais c'est Si, pas si, mec, grave. c'est bon, c'est fini là, c'est prêt. Ah c'est bon déjà? Ah putain, ah, mec. Ah Ah, mec est pas grave, précoce, c'est il l'hiver a non pas plus. compris Hein. encore. Mais tu dis pas que je suis précoce comme ça en public, hein, Sandra, les gens ne savent pas tout. Hein. Et du coup, Oh j'avais merde. pas mis ton beau truc en fait, il faut que je mette Dapnox et pas Vinstech, parce que en fait du Ouais, coup c'est mieux. je voulais te changer, mais en fait pas du tout. Parce que Et je parle un peu anglais, moi. donc du coup Dap sera avec nous aujourd'hui, mais pour le coup il ne sera pas là demain. Pardon, il sera pas là demain pour sa rubrique BD. Donc du coup il faudra qu'on trouve autre chose. Je pense on essaiera de faire venir Chloé si elle est là. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, de toute façon on a toujours des plans de secours les amis pour l'émission. Et aujourd'hui, comme vous le savez, le jeudi, nous avons des invités dans le Geek Morning. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec Moderate. Moderate, bonjour. Bonjour Daft, bonjour à toute l'équipe. Waouh. Ah c'est. Le mec Cette précis. intensité d'entrée là, c'est beau. Précis quoi. Ah ben non mais. J'ai fait de la télé moi. Ah Le mec. mais faut quand même dire que c'est pas évident pour lui, hein, le pauvre. Parce qu'il arrive et puis il a découvert la grâce naturelle de Sandra comme ça Eh mais froidement. fais quitte Donc, wesh, je suis Exactement justement, et justement le. puisque C'est vous pas en sans off, c'est parlez, et sans off. justement ce que vous en parlez, et bien voilà, avec nous, comme tous les jours, il y a Sandra la gracieuse. Bonjour. Salut! Mais il y a deux personnes, il y a Sandra en off et Sandra en on. Et Sandra en off, vous ne la verrez jamais! Voilà, faut pas la voir. Faut pas la voir. Non, pas la voir. C'est dangereux. C'est dangereux pour vos rétines. C'est Je suis traumatisé. pour vous, hein. C'est du PEGI 18, c'est tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc du coup ce matin comme je vous l'ai dit on va recevoir trois invités, donc c'est Moderate, Carnage et Lorgar. Alors c'est ça son pseudo, Lorgar? C'est bien ça, ouais. Voilà. Que je me trompe pas. Donc chacun va vous expliquer un petit peu ce qu'il propose sur la TV généraliste, parce que bien entendu oui ce sont des gens qui donc travaillent avec nous, ils sont sur la même TV. Donc on dit bonjour au papa Kenar hein, d'ailleurs. Mais ça il faut pas le dire trop fort parce que Salut! je crois qu'il nous regarde. Et Hey, salut! oui, Dap, tu voulais dire quelque chose? Non, je dis hey, salut! D'accord, ok. Donc du coup, on va parler un petit peu avec Moderate, il va nous expliquer un petit peu c'est quoi son concept d'émission, qu'est-ce qu'il fait sur la TV généraliste, ça fait combien de temps qu'il est là sur Gaming. Donc si vous avez des questions à lui poser, eh bien ce sera donc en première partie d'émission, et il nous quittera aux alentours de 11h, et à 11h justement, il laissera la place à son autre copain qui arrivera, et du coup, tout simplement pour expliquer aussi, comme l'a fait Moderate, son émission, son concept, et également ce qu'il fait sur Gaming. Donc voilà, on va commencer dans quelques instants. Donc voilà, si vous avez déjà des questions, n'hésitez pas à commencer à les poser, soit via le hashtag, d'ailleurs il faut que je mette mon hashtag moi, sur mon autre écran, soit via le hashtag Geek Morning Live, soit sur le chat directement, voilà, si vous avez des questions à poser au fabuleux modo Moderate. Ah oui, car tout le monde ne te voit pas forcément, tu vois, si tu ne suives pas sur les streams, c'est bien de mettre un visage derrière un pseudo. Exactement, ouais, bah. Moi je suis modérateur depuis pas mal de temps, donc ceux qui sont sur le chat, bah, depuis qu'OGaming existe, en gros, ont peut-être déjà croisé mon pseudo. Ouais. Et puis je fais du stream seulement depuis 3 mois, je crois. Mmh. Donc voilà, après, bon, je suis déjà paru sur la télé LOL l'année dernière. J'ai casté une fois en remplacement d'urgence les LCS NA. Mmh. Voilà, une soirée bien arrosée à OGaming. Où tout Ça le monde m'étonne faisait même la pas. fête et que les pauvres casters étaient en train de faire les LCSNA qui étaient franchement pas super intéressantes à ce moment-là. Et je suis allé d'urgence, donc voilà. Il y en a qui m'ont déjà croisé avec ma célèbre marinière. Ah, J'envoyais du lourd. Y a Bada qui demande si tu remplaces Vince. Voilà, on a trouvé un remplaçant à Vince, hein, donc c'est Moderate qui va te Non, c'est finir là tous Dap. les matins. Moi, je vais Bon. faire ma chronique sur la 4K. Et après, tu vas parler de GTA 5, la sortie repoussée. Ouais, et on va Ouais. insulter Rockstar parce qu'ils offrent des jeux à des gens, c'est pas bien.
Arrêtez voilà. Tout de suite, arrêtez ça. Arrêtez. Arrêtez de gentil. Bande de connards. Donc voilà, bon, aujourd'hui ça va être une émission un peu particulière. Comme je vous dis, on aura trois invités, pas un, pas deux, mais trois invités. Donc si vous avez des questions à poser à Moderate, eh bien c'est maintenant. Donc on va commencer tout de suite. Bah justement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais justement sur la chaîne généraliste? Parce que tu dis que ça fait 3 mois que tu stream, mais qu'est-ce que tu fais du coup? Qu'est-ce que tu proposes comme contenu? Et est-ce que tu vas faire d'autres choses dans l'avenir? Alors au tout départ, le principe de l'émission c'était surtout de faire un jeu en entier. Et ce jeu c'était Assassin's Creed Unity. Oh là 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 là. Ah bah ouais, mais en fait j'ai préparé l'émission avant que le jeu sorte. Et donc bah, ça s'est fait en accord avec toute l'équipe, avec Faust, j'ai avec Akenar bon, à l'époque, etc. Et bon, j'installe le jeu et je me rends compte déjà que mon ordinateur a du mal. Un ordinateur, le jeu plus le stream, ça commençait à être vraiment délicat. Donc bah écoute, j'ai fait du PowerPoint émission pendant quelques semaines où les gens voyaient une image par seconde à peu près et c'était sympa. Ouais. Ils ont pu voir mon talent dans les jeux vidéo, ils ont pu voir voilà ma grâce naturelle en tant que joueur d'Assassin's Creed Unity. Mm-hmm. C'est la première fois que je joue à un Assassin's Creed en plus, c'est sympa. C'est une belle découverte. Comme expérience. c'était bien, ouais. Écoute, c'était rafraîchissant. Et donc j'ai fait ça pendant quelques semaines et au bout d'un moment j'ai dit à toute l'équipe que j'en avais marre de faire du PowerPoint. Donc il fallait peut-être passer à d'autres trucs. Et depuis, bah écoute, je fais un peu du let's play tout simplement. Je prends un jeu. Bon, le principe initial c'était vraiment de battre des records du monde de vitesse sur les jeux. Mais il s'est révélé très très vite que j'étais très mauvais en jeu vidéo. Donc tu voulais faire du speedrun. Voilà, j'y joue et puis j'essaye quoi. Mais du coup là depuis le début j'ai joué à Portal 2 en coopération avec Mimodi. Ouais. Et puis j'ai joué à Hotline Miami. Voilà, j'ai réussi à finir le jeu. J'ai réussi à finir le jeu, voilà, en entier. Ce qui est quand même pas mal. Ah oui. Ouais, c'était bien sympa de te faire déjouer et de te faire tuer. Bah ouais, non mais en même temps, jouer à Hotline Miami sans se faire tuer, c'est quand même compliqué. Ouais, mais alors le passage de la voiture était quand même sympa. Hein. Quel passage de la voiture? Ah oui, bah oui. Le passage de la voiture dans l'appartement où tu te fais. Effectivement, il faut l'expliquer. En gros, tu changes d'écran à un moment. Et là, ton personnage est arrêté. Et tu vois une voiture rentrer dans le bâtiment. Et si tu n'as pas le doigt appuyé sur la touche O, bah, ton personnage meurt. Ouais, mais c'était sympa de regarder ça. Très bien. Non mais de toute façon c'est toujours sympa. Les gens adorent me voir me faire tuer dans les jeux vidéo. Ça, c'est donc c'est pour ça que je continue à être mauvais en fait, parce que je crois que ça plaît plus aux gens que les gens bons. Et côté sadique voilà. Des viewers. Ouais. Ah ouais. Mais regardez sur le chat en fait, ils sont tous en train déjà de... Ah non, ça va. Tiens d'ailleurs, petite question. Bah non, on n'est pas mercredi, c'était hier les trolls. Hein. C'était hier les gros trolls. Hein. Mais est-ce que tu peux nous dire d'où viens-tu, parce que t'as un petit accent dans la voix. Je sais pas, tu viens d'où? Eh bien, je suis parisien. C'est l'accent parisien, ça? Non, ouais, non, c'est que je crois que la caméra, en fait, me stresse tellement que je fais un accent bizarre. Le mec. En fait, je prends un accent du net. c'est mon accent gamien. Oh my god. Sinon, non, je suis à Paris depuis pas mal de temps, donc il a un petit peu l'accent belge. C'est ça, en fait. Ouais. Ouais, ouais, mais c'est la caméra, tout ça. Hein. Je crois que les Belges sont filmés très souvent. Non, en fait. Mais de toute manière, il faut savoir que la personne qui a inventé le téléphone ou ce genre de choses, c'est un complot. Il a dit, ouais, je vais les faire chier les gens, puis je vais modifier leur voix à chaque fois qu'ils parleront. Bon, ma voix en vidéo n'est pas du tout la voix que j'ai réellement, c'est pas vrai. Non, hein. Elle est pire réellement. Ah ouais, elle est pire que ça, c'est ça le pire, mais tu vois. En fait, là, le net adoucit sa voix parce que sinon c'est agressif, tu vois. Ouais, tu vois, ça parle comme ça, tu vois. c'est ça les paysans d'Apin. Ouais, ouais. Eh oh, je suis pas paysan, on se détend, hein. Mec, pas la campagne. Je viens d'une ville. Je viens d'une ville qui est dans les livres d'histoire, ok, donc on se détend. C'est vrai. Voilà. Mais du coup, il y a assez de gens pour que tout le monde se reproduise ou il faut rebondir en famille et tout ça. Oh, l'enfoiré. Oh, c'est sale. Ah, t'es un bâtard. Non, on parle pas de consanguinité à 10h11 du matin. Arrêtez tout de suite, je vous arrête. Le mec qui vous arrête, c'est lui qui parle de ça. Arrêtez le débat. Nous, on a rien dit, tu top, vois. Top. On a absolument rien fait. Et Daph, tu commences déjà. Non, là. Mais voilà, c'est parce que, voilà, comme je dis, aujourd'hui c'est une émission difficile. Hein. Le jeudi, c'est toujours difficile.
c'est le dernier jour avant le début du week-end, tu vois, limite pour nous, parce qu'après il nous reste une émission, puis on est en week-end, donc. C'est le dernier jour avant l'arrivée de DAP, donc tout ça, vous êtes un peu triste, vous avez envie de voir DAP et tout, enfin c'est normal. Hein, non, j'avais pas de. Non, non, non. J'ai jamais entendu ça dans l'émission, je sais pas qui c'est qui dit ça. C'est de vous, monsieur, on ne vous connaît pas. Non, non. En tout cas, donc voilà, Modéré, si vous avez des questions, comme je vous le dis encore une fois, pour Modéré, apparemment les gens n'ont pas envie de te parler, hein, sur le chat. Non, ils parlent de pas mal de choses, c'est sympa. Ouais, je vois ça, hein, comme d'habitude, hein, mais bon. Est-ce que vous avez une question pour Moderate, les gars, là ? Sandra, Olivier ? Olivier, pardon, DAP. Ah, parce que je demandais à qui tu parlais. Vas-y, à moi, en fait. Mais... Ah oui, c'est non, vrai mais... D'accord. Si je veux m'auto-poser une question... Ça, mais pourquoi tu sais... Oui, allez-y. Bah, tiens, moi j'ai une petite question, ça. Pourquoi t'as rejoint au gaming, à la base ? Qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre au gaming ? Alors, mais très très bonne question. Mais merci. C'est une question dont la réponse peut durer en plus à peu près éternellement. Non, en vrai, au tout départ, c'est un cousin à moi qui m'a dit « Hey, regarde, il y a des vidéos sur YouTube, c'est rigolo, c'est deux bonhommes qui commentent des parties de jeux vidéo. » Et ces deux bonhommes, c'était Pompétude. Ils commençaient depuis quelques temps à commenter des vidéos de... Enfin, des parties de StarCraft 2. Et donc, c'était uniquement sur YouTube à ce moment-là. Donc j'ai commencé à regarder ces vidéos-là, et il se trouve qu'ils ont organisé un jour un événement qui s'appelait O-Gaming 1, et c'était dans un bar à côté du Parc des Princes. Ouais. Donc mon cousin et moi-même, on a décidé d'y aller, et c'était rigolo, dans le bar, ils avaient prévu environ 10 rangées de 10 chaises, ouais, une centaine de personnes, c'est plutôt raisonnable. On est arrivé, en fait, les gens étaient dehors, assis sur la pelouse, parce qu'il n'y avait juste plus de place dans le bar. Et je voyais des gens de gaming sortir des télés avec des câbles et essayer de remettre des écrans dehors pour les gens qui ne pouvaient pas rentrer dans le bar. Et donc, premier gros événement au gaming, finalement, ça s'est très très bien passé. Il y avait une super ambiance, et c'est là, ces jours-là qu'ils ont compris qu'il y avait vraiment un truc. Et donc, ils ont organisé ensuite d'autres événements. Donc notamment au Gaming 2, le Bataclan, le Grand Rex, etc. Et le jour où la Web TV est sortie, il y a un chat qui a été créé. Et ouais. Vu que je traînais déjà pas mal sur IRC, j'ai vite rejoint le chat. En essayant de travailler Noki au corps, Noki m'a passé modo. Et puis voilà, c'était il y a fort longtemps déjà. Donc, c'était tout au début de la Web TV. Et depuis, j'y suis. Et oui. J'essaie d'y rester. Noah nous en avait parlé de ce fameux événement pardon, au bar où il y a eu énormément de monde dehors ou oui, quoi. Oui, il nous avait parlé. Ouais. Coup, oui, c'est ce fameux premier événement. De toute manière, tous ceux qui suivent un peu au gaming depuis le début, même avant que ce soit au gaming, quoi, connaissent un petit peu l'anecdote. Hein. Moi, je suis un peu comme Moderate, j'ai découvert au gaming, pareil, hein, Pompétude, StarCraft 2 sur la bêta. Puis voilà, j'ai suivi tous les événements. Après, je suis pas allé, j'étais pas au gaming parce que je ne suis pas sur Paris, donc évidemment, payer le train juste pour aller à un bar, c'est un peu compliqué. Mais voilà, enfin voilà, c'est plutôt cool. Tiens, une petite question encore pour Mandel de la part de Nips et Choix. Il y a une bonne question d'ailleurs. Tous les modos, est-ce que quand vous êtes. Je sais que t'es pas tout seul modo, il y a une équipe de modération. Alors, moi je connais un petit peu comment ça se passe sur d'autres plateformes, mais j'aimerais bien savoir comment ça se passe sur gaming. Est-ce que vous concertez, est-ce que vous avez une conversation de modo, est-ce que parfois vous modérez à plusieurs pour savoir qui supprime quoi, surtout quand il y a des émissions. Je pense notamment au LCS ou. Ou d'autres grosses émissions comme ça où t'as plusieurs dizaines de milliers de personnes qui regardent le live. Comment tu gères ce chat du coup? Alors en fait, déjà l'équipe des modérateurs est plus ou moins coordonnée par plusieurs personnes. Mm-hmm. Donc par Zaboutine notamment que vous connaissez, par Chris qui est le responsable communication de gaming. Donc déjà voilà, il y a des coordinateurs. On a une conf Skype qui s'appelle OG Modération. Donc cette conf Skype, il y a tous les modérateurs dedans. Et ensuite on a juste des règles à suivre en tant que modérateur. Et par contre on se coordonne pas du tout sur des cas particuliers. Sauf quand des cas particuliers sont un petit peu limites, où on sait pas voilà, ce qu'on en fait de cette personne là parce que ça arrive qu'il y ait des gens qui arrivent et qui critiquent très fort les casters par exemple. Alors est-ce que cette personne là il faut la virer ou est-ce qu'il faut la laisser parler? Toujours ce problème de liberté d'expression. En plus, quand tu commences à kicker quelqu'un sur le chat, il revient et il dit que le modo est un nazi qui censure la liberté d'expression. Ouais. Forcément.
Donc du coup c'est toujours des cas un petit peu difficiles à gérer. Mais sinon non, enfin on essaie juste de se coordonner pour qu'il y ait toujours des modérateurs présents. Mmh. Mais bon c'est compliqué parce que tout le monde est bénévole dans l'équipe. D'accord, ok. Ouais. Y a pas un cap de non-retour dans la modération? Genre un chat est contrôlable, je sais pas, je te dis vers jusqu'à 5000 viewers. Et dès que tu passes au stade des 5000 viewers, c'est le bordel, ça, t'es obligé d'utiliser des bots quoi. Alors j'ai pas forcément un chiffre en tête, c'est sûr qu'à partir d'un certain montant de viewers, ça devient difficile. Après on a un outil qui est plutôt pas mal, qui s'appelle le slow mode. Ouais ouais. Ouais, Evernote vient de le dire. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, le slow mode, c'est vous avez le droit à un message toutes les 60 secondes par exemple. Mm-hmm. Donc ça permet d'éviter que les bonhommes ils balancent toutes les 5 secondes un message, parce que fois 2000 chatteux, ça peut faire beaucoup de monde d'un coup quoi. Ouais mais moi je regarde des streams où les mecs où un mec il stream, il est à 30 000 personnes, t'as beau avoir un slow mode et non il est même en sub mode, tu vois c'est encore pire, donc ça veut dire que c'est que les subs qui parlent sur le chat et ça floude mais pas possible quoi, donc en fait on essaye sur le gaming de garder un chat qui soit regardable. Mm-hmm. Parce que c'est vrai quand tu vas voir des événements comme les LCS sur les streams officiels. Bon, le chat, c'est même plus la peine de le regarder, quoi. C'est des smileys dans tous les sens. Enfin, bon, ça floute tellement, c'est juste pas la peine. Ouais. Donc, le principe sur le gaming, c'est quand même vraiment d'avoir un chat qui soit agréable pour les viewers, et que ce soit un vrai outil de la web TV. Oui. Après, je pense que sur Ogaming maintenant, il y a quand même une bonne communauté, et je pense que c'est un peu tout le temps les mêmes viewers qui viennent. Je pense qu'au bout d'un moment, ils ont compris et c'est un chat qui du coup se connaît. Donc je pense que c'est un chat du coup agréable, même si parfois il faut mettre des kicks à certains, bien évidemment. Hein. Non mais c'est vrai quand il y a 200 personnes, 300 personnes, mais c'est plus vrai du tout quand il y a 5000, 10000 personnes, 15000 personnes pour les LCS. Là ce sont des gens random qui viennent d'un peu partout. T'as pas que des habitués de la chaîne et t'as des gens qui arrivent qui connaissent pas du tout ni la chaîne, ni même parfois League of Legends. Enfin bon, tu peux avoir de tout sur le chat à ce moment-là. Mmh. D'accord. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir toi ou n'importe quel modérateur de Ogaming d'avoir un cas vraiment difficile à gérer sur un ou plusieurs difficiles à gérer, et dans ce cas tu fais comment? Tu serres les dents. Non ouais, des cas difficiles on en a parfois. Enfin moi c'était pas sur Ogaming parce qu'il y a des outils qui sont un peu différents maintenant, mais j'ai eu une époque où un mec arrivait à revenir sur le chat d'un de mes sites en permanence, même quand je le bannissais. Donc ce mec là voilà, tu le bannes et il revient et il continue de te troll, et il fait ça toute sa vie parce qu'il a que ça à faire. Faut voir que les trolls ils ont quand même la dent dure quoi. C'est des mecs, ils t'attrapent la jambe et ils te lâchent plus comme ça. Voilà, et ils restent pendant longtemps. Donc sur Ogaming c'était surtout vrai sur IRC, c'est les mecs qui ont des proxys quoi. Ouais mais IRC c'est différent. Tu bannes leur IP, les mecs ils ont un proxy, ils disent ok c'est bon, change d'IP, je reviens. Et ils reviennent et puis ça c'est les cas les plus difficiles, c'était ceux-là ouais. Sur Twitch c'est plus difficile parce qu'il faut créer un compte et C'est vrai qu'il y a la facilité de créer un compte, c'est très simple de créer un compte hein, sur Twitch hein. Ouais mais tu je crois le que fais. Ça m'était arrivé une fois sur un de mes lives, il y a un mec qui est venu, j'ai eu 2-3 modos qui l'ont ban et le mec est revenu en disant coucou c'était moi tout à l'heure, je suis revenu. Ouais mais Sandra ce qui t'explique là c'est qu'en gros sur IRC tu peux prendre n'importe quoi, t'as besoin de créer un compte. Là le mec il va se faire ban 4 fois, il va changer de pseudo 4 fois, au 5ème il va commencer à dire putain ça me casse les couilles quoi. Voilà. C'est ça. Toi, ça te coûte rien de le ban, donc tu le bannes 10 fois si t'as envie, peu importe. Et c'est vrai que lui a créé un compte 10 fois, au bout d'un moment, il se lasse. Ouais. Ou alors l'émission est terminée et du coup, c'est bon quoi. Je crois qu'on a quelqu'un qui vient de. Merci, monsieur Mourir, qui vient de Just Subscribed. Donc, 3 mois. Ça fait 3 mois qu'il subscribe donc à la chaîne généraliste. Bravo, hein, bravo à lui. Merci. Ouais, c'est un nouveau modo en plus, monsieur Mourir. Voilà, modo sur League of Legends. Il a acheté son statut de modérateur, c'est ça hein. Exactement. Ouais, voilà, mais ça se passe comme ça dans le métier. Hein. Voilà. On ne recrute que des abonnés maintenant, c'est décidé. Maintenant, c'est simple, hein. Si vous voulez devenir modérateur, il suffit de donner de l'argent. Hein, voilà. C'est comme ça que ça se fonctionne. Hein. On prend dans les baisses donateurs. Non, mais vous êtes méchant, dites-lui bienvenue, merci. Oh, mais ça fait 3 mois qu'il est là. Je vais pas lui dire bienvenue, il est plus vieux que moi.
Ça n'a rien à voir. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler, est-ce que tu peux donner ton âge aussi, tiens, aux petites, parce que si jamais il y a des viewers qui te regardent et qui te trouvent très sexy, est-ce que tu es célibataire et quel est ton âge Je suis mais complètement célibataire, très, très ouvert et. Calme-toi. Je suis l'aîné, de Daft. De quelques mois, fais pas trop le mal. De quelques mois. Donc j'ai bientôt 28 ans. Bande de jeunes. Merde, bientôt la trentaine, non. Tu sais que Daft est plus vieux que nous, hein, quand même. Hein. Bah, il en faut, hein. Il en faut, hein. Il faut des vieux, cons, c'est ça. Voilà, on va lui payer sa retraite, il sera content. Et donc, si jamais il y a des viewers intéressés, est-ce que tu as un numéro de téléphone ou un Skype à donner? Exactement, donc non, quand même pas. Non, on fait pas. Enfin, il faut pas confondre. Hein, gaming n'est pas mythique. Ah, malgré tout ce qu'on peut croire, malgré tout ce qu'on peut voir d'ailleurs parfois, mais non. Au gaming, n'est pas... Non, les gens, je ne cherche pas une ouverture, calmez-vous. Je vous ai déjà dit, je suis hétérosexuel. Arrêtez ça. Hein. C'est pas parce que voilà, je plais aux hommes que voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Daft, il est multisexuel. Écoutez, ah, c'est vrai, multiprise. Le mec, il se plug dès qu'il peut. On se plug, voilà, moi j'aime bien plugger, je suis un mec connecté. Voilà, c'est un hub, Daft. C'est ça. Au mythique, hein, nous dit Kepure. Sentez-moi ta suite. Est-ce que Daft, t'as une question ou pas? Ou est-ce que tu en as totalement nos cœurs? Sort avec Sexy Blood, peut-être pas quand même, quoi. Enfin, bon, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est son côté, ton côté streamer. Enfin, en savoir encore un peu plus, quoi. Va un peu plus loin. Enfin, même toi, ce que t'aimes voir en tant que viewer dans les streams des autres, et ce que toi, t'essaies d'apporter en plus dans tes streams. Ce que j'aime bien dans les streams des autres, c'est vrai que Il y a pas mal de temps où je regarde des streams en deuxième écran, c'est-à-dire je suis en train de travailler, je suis en train de faire des trucs et je mets Daft par exemple sur l'écran de droite. Voilà, et de temps en temps je vais le troll et puis voilà, c'est sympa. C'est toujours un bon moment. Après je regarde pas mal tout ce qui est tournoi, donc c'est vrai que les LCS je regarde. J'ai pas mal regardé le StarCraft 2 au départ. Les moments que j'aime beaucoup regarder dans l'année aussi, c'est les AGDQ. Donc ce sont des semaines, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des semaines caritatives où il y a des streamers, des speedrunners qui viennent jouer pendant toute la semaine. Donc les speedrunners sont des gens qui essayent d'aller le plus vite possible pour terminer un jeu. Et donc pendant la GDQ, bah, c'est 24 heures sur 24 pendant 7 jours. Donc ça fait un sacré paquet de jeux et tout le monde vient, enfin les speedrunners viennent jouer, voilà, et c'est commenté. C'est commenté en français aussi par une chaîne concurrente. Et c'est vachement sympa à regarder. Enfin, moi, c'est des moments que j'aime beaucoup. Ouais, c'est, okay. c'est assez sympa. C'était un petit peu comme... moi, j'avais pas regardé la GDQ parce que j'ai pas pu. Mais j'avais regardé, moi, le Desert Bus. Ouais. C'est pareil, je crois que c'était sur une semaine, je suis pas sûre. Mais c'était super bien, j'avais découvert ça. Hein, et vraiment, c'est bien de mettre en avant le stream pour une œuvre caritative. Moi, je trouve ça très, très bien. Ouais, Desert Bus c'est sympa aussi. Bon, après au niveau jeu vidéo c'est un petit peu intéressant, quoi, parce que oui, Desert Bus c'est donc c'est combien de jours, je me rappelle plus exactement où, le nombre de jours, ça doit être 2 jours 3 jours où des gens des invités viennent pendant une heure chacun jouer à un jeu qui s'appelle Desert Bus. Son vrai nom, Desert Bus, ouais. C'est ça a été voté comme étant le pire jeu vidéo du monde, je crois. C'est ça. Le plus inutile. C'est un jeu où donc tu es sur une ligne droite aux États-Unis, sur une route déserte où il n'y a personne, que tu as un camion et que ton camion a un problème à la roue droite et que du coup il dérive vers la droite et que toi tu dois juste appuyer sur gauche pour rester sur la route. Et voilà. Mais c'est gros gameplay. Hein. Non mais attends, il y a certains moments tu te prends un moustique sur le pare-brise. T'en sens voilà, génial. Voilà, toutes les 2 heures tu te prends un moustique sur le pare-brise. Et il faut réussir à faire les 8 heures de suite pour rejoindre la ville d'après. Et si tu sors de la route, t'es game over. Donc c'est un jeu qui est très intéressant. Où bon, donc les invités viennent pendant une heure et ils peuvent parler de leur travail tranquillement. Voilà, donc Benzaï était invité notamment à un moment. C'est comme ça que j'avais gagné le fameux Farming Simulator. Waouh. C'était en faisant un don au Desert Bus. Voilà. Tiens, il y a Capurim qui te pose une question. Modéré, c'est ton pseudo spécial gaming pour la modération, mais tu utilises parfois d'autres pseudos pour l'interrogation? Alors maintenant non, maintenant Moderate c'est mon pseudo partout. Bon, comme tout le monde, j'ai changé de pseudo plusieurs fois dans ma vie, mais pour ne pas vous donner des dossiers incroyables sur mon enfance, mon adolescence difficile, je ne vais pas vous donner mes pseudos d'avant.
petit coup lol 9-3. D'ailleurs, il y a eu les stats, hein, tu parlais justement de la GDQ, là, ils ont balancé les stats, Twitch a balancé les stats il n'y a pas très longtemps, je les ai retweetés, il me semble, dans la semaine, là. Je sais pas si je peux essayer de les retrouver, c'est juste aberrant. Ce que les gens ont réussi à faire cette année, c'est juste infâme. Et j'avais également regardé le Twitch Plays Pokémon, qui était un événement incroyable. Ça a été un grand moment de communion. Juste pour vous donner quelques chiffres, 1,58 million de dollars récoltés et 9,4 millions d'unique viewers. Voilà, juste pour ces deux stats là, juste déjà pour calmer tout le monde quoi. Déjà 1,58 million déjà ça fait plaisir. Hein. C'est la sauce quoi. Vraiment gros AGDQ, c'est peut-être le et combien gros, de viewers uniques ? Quasiment 10 millions. Quasiment 10 millions, ouais, c'est pas mal. Si peu. C'est respectueux. Pas mal. Oui, c'est respectueux des grands-parents quand même, hein, franchement, là, on peut le dire. Les amis, du coup, si vous avez encore des questions à poser à Modéré, parce qu'il est 10h30, on va encore attendre un petit peu avant de faire la pause. Donc, ouais, tu nous parlais un petit peu de tes streams. J'ai pas répondu à toutes les questions sur. Justement, pour le stream, justement, est-ce que t'as un type de jeu particulier que t'aimes faire ou pas ? Présenter à des gens, quoi. Franchement, je pense que des jeux d'action un peu qui vont vite dans le fond du sujet. Là, je te voyais l'autre jour sur le jeu de zombies. Dying Light. Ça reste ce genre de jeu, c'est sympa quand t'es tout seul et que t'as beaucoup de temps. Mais c'est plus difficile quand t'as pas envie de passer 10 heures sur un jeu, quoi. Donc, Hotline Miami, ça me plaisait vraiment parce que tu rentres direct dans le vif du sujet et c'est plein de petits niveaux comme ça. Je pense que je pourrais. Je pourrais faire des petits jeux de plateforme, genre de choses. Sinon, après, j'ai pas de jeu préféré, de type de jeu préféré. Je peux jouer à pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de FPS dans ma vie. J'ai joué beaucoup à Day of Defeat, en fait. Ouais. Donc, un mode Half-Life, pour ceux qui ne connaissent pas. Dod. Le fameux Dod, qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'y ai beaucoup joué en équipe, etc. J'ai pas mal joué à Trackmania. Donc, aucun rapport. J'ai beaucoup joué à League of Legends, donc aucun rapport non plus avec le reste. Donc, voilà, je change un petit peu de thème de temps en temps. Tu touches à tout. Alors exactement, je suis un touche à tout, Sandra. Juste, exactement, il y a Laker qui vient de subscribe. Merci beaucoup, Laker. Tu déchires, mec. Bravo à toi, merci beaucoup. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup de soutenir la chaîne généraliste Dog Gaming. Revenons un petit peu à Dog. C'est juste un FPS pour des vieux. En fait, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens de notre génération qui ont joué à Dod, quoi. C'est un petit peu dommage parce que. Et encore pas tout le monde. Je connais, mais j'ai jamais joué. Non, mais t'as pas joué, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que t'as pas joué, quoi. En fait, Dod, c'était un petit peu avant, c'était à la même époque qu'1.5. Pour vous expliquer un petit peu la vieillesse du truc, quoi. CS 1.5, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, c'était même pas la version 1.6, c'était même pas. Voilà, c'était 1.5. Il y avait Counter-Strike qui était plutôt dans l'univers d'aujourd'hui. Et Dod avec tout ce qui était code Dod, qui était plutôt dans l'univers. Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, voilà, merci. Avant que Code devienne totalement aberrant et qu'il change totalement de sujet. Parce qu'à la base, il faisait quand même des jeux Seconde Guerre mondiale, faut pas l'oublier, hein, ça. Donc, voilà. C'est vrai que c'est. Et Day of Defeat, c'était un jeu plus en capture de drapeau, donc il fallait capturer des zones et aller jusqu'à la zone ennemie pour gagner. Et puis tu pouvais respawn quand tu mourais, donc c'était un peu différent de Counter-Strike. C'est quand tu meurs, t'attends quelques secondes et tu respawn dans ta base. Donc c'est très dynamique et ce sont des très bonnes parties. Et ça a été ma première expérience en équipe de joueurs où je me suis retrouvé catapulté leader d'une team en 2 jours. C'est-à-dire je rentre dans la team et là il y a à peu près tout le staff qui se barre de la team et donc je me retrouve quasiment le plus ancien en 2 jours et puis j'ai recruté d'autres personnes et on s'est bien amusé du haut de mes 16 ans. Eh oui, on était jeunes, hein, jeunes et insouciants. Ouais, c'est beau. Hein. C'était l'instant nostalgique. Mais ce qui est con, c'est que nous quand on avait 16 ans, d'après, il y avait déjà 30 ans. Donc. Oh. Mais de rien, j'ai bien squatté Dod aussi. Bah ouais, mais c'est même époque quoi, même époque. On est des vieux. Excusez-nous les jeunes, excusez-nous ceux qui nous regardent et qui jouent à League of Legends d'équipe. Voilà, excusez-nous. Hein, on a joué avec des vrais jeux quoi. On a joué à des vrais jeux. Qui a joué à Tortue Ninja ici?
Tortue Ninja oh, sur. J'ai dû y jouer, mais je me rappelle plus trop, je t'avoue. Mais... Super NES. Impossible de le finir quand on est petit, c'est bah non. impossible. Bah non, non, mais ce jeu, il a été fait en sorte que tu ne puisses jamais le terminer. Hein. Ah si, mais il faut le faire après, quoi. Quand t'as 30 ans, t'arrives, tu fais, bah attends, je vais défoncer là. Non, mais attends, même quand t'as 30 ans, t'es là, tu fais. Mais quoi ? Non, non, mais j'arrive même pas, c'est pas possible. C'est... Non, non, il y a des niveaux, ils sont super galères. Hein. Ouais. En fait, je t'avoue que mes premiers jeux vidéo à 3-4 ans, c'était pas simple. Hein. Ah ouais, ouais. De coordination de manette. Surtout la manette de la NES. La manette de la NES qui est le truc rectangulaire par excellence. C'est ça, oui. C'est ça. Tu t'attrapes pas du tout en main. C'était assez sympa. Non, non, c'était Tortue Ninja sur NES. Enfin, sur Super NES, ouais. Les gars. Donc, c'était vraiment la sauce. Hein. Il déchirait. Et c'est très difficile hein, parce que. La hitbox, en gros, le jeu était pas fait pour que tu puisses courir et taper vers le bas, sauf avec Donatello, qui mettait un coup de bâton vers le bas. Ah oui, et c'est donc, vrai. Et donc, du coup, Donatello, c'était le perso le plus cheaté du jeu parce que justement, tu pouvais faire des jumps et ton bâton avait une hitbox de porc. Et donc, du coup, tu pouvais tuer les ennemis qui étaient en dessous de toi. Là, généralement, ce qui te faisait chier parce que tu sautais et tu tombais sur un ennemi, tu mourrais comme une merde. En plus, ce jeu avait la particularité quand tu te fais toucher, et ben il te bump. Donc, du coup, t'avais même pas la possibilité de passer comme sur Picsou, vous savez, où tu peux avoir une hitbox et puis tu peux te barrer quoi. Donc, prendre des coups pour aller plus vite. Non, non. Là, c'était vraiment un jeu de bâtard. Voilà. Ouais, c'était assez hard, hein, c'était assez hard. Bon alors, est-ce qu'il y a des questions encore un petit peu pour Moderate ? Pour finir de répondre à la question de Dap, parce que j'ai toujours pas fini en fait. Ouais. C'est... le mec en fait il parsème ses réponses. Tiens, un petit peu là, un petit peu là. Exactement, c'est pour laisser un petit peu de teasing, tout ça. Non, en fait, qu'est-ce que je cherche à rajouter dans mon stream par rapport aux autres ? Eh ben écoute, pour l'instant pas grand-chose. Voilà, c'est pas facile de streamer. Du sel. Non mais du sel, un petit peu de sel. Un petit peu de sel. En plus, c'est vrai que moi j'aime bien streamer avec un chat actif. C'est-à-dire que je suis pas mal à l'aise pour répondre aux gens sur le chat, pour communiquer, tout ça. Et quand tu débutes, bah, t'as pas de chat actif. Ou alors t'as que tes amis qui viennent gentiment. Enfin voilà, te troll. Donc, me troll, exactement. Donc je remercie tous ceux qui sont sur le chat d'ailleurs et qui sont venus dans mes émissions. Bah voilà, je débute hein, de toute façon, donc par rapport aux gens qui sont des vieux de la vieille et qui font ça depuis des mois, voire des années, pour l'instant je commence tranquillement, donc à mon rythme. À ton rythme. Ok. Exactement. Et du coup, j'ai une question d'un coup là qui m'a traversé le cerveau, c'est très rare. Voilà. Voilà. Je vous assure, ça m'a tout émoustillé. Elle l'a perdu là, ça y est. Non, je l'ai retrouvé. Est-ce que toi, tu accepterais de faire des streams donc, tu fais des streams tous les mardis soirs, me semble-t-il, sur Gaming, sur la TV Généraliste. Est-ce que tu accepterais de faire des streams avec quelqu'un, être accompagné sur un stream comme elle essaie de se placer. Non, mais tu vois. Non, c'est juste une question. peut-être que j'en ferais et j'aimerais savoir si tu accepterais qu'on joue un de ces quatre sur n'importe quel jeu ou quoi. Ouais, non, évidemment. Et faire ça en live. Bah évidemment, moi j'ai joué avec Mimodi pour ceux qui l'ont vu. On a joué à Portal 2 en coop et potentiellement il faudra qu'on continue et qu'on finisse ce jeu parce que c'est pas simple. Ce sont des grands moments, vous pouvez les voir en VOD sur YouTube, hein, je fais ma pub. Des grands grands moments avec Mimodi d'intelligence et de coups d'éclat. Donc ouais, jouer en coop, pourquoi pas. Après c'est difficile de trouver des jeux où tu peux jouer en coop sympathiquement, enfin... C'est pas tous les jeux, donc... Il y a des jeux assez sympas Il y a des jeux, il y en a, hein. Il y a Binding of Isaac qu'il faut que je fasse avec quelqu'un. Je ne dirai pas qui, mais c'est prévu un jour de le faire. Et Moderate ne stream qu'avec des filles, alors ça va, mais c'est faux Capurim justement. Binding of Isaac, ce sera potentiellement avec un garçon. Et ouais. Non, sinon pourquoi pas. Moi, le but, ce serait effectivement d'essayer de plus jouer avec des gens. Voilà. Il y a une question de Nipsechua qui ça. Je voulais savoir si le travail, si un statut de modérateur lui fait gagner de l'argent assez pour en vivre. Quelle formation a-t-il suivi voilà. Il veut ton CV quoi. Et est-ce que tu as un bilan sanguin positif? Ouais, il a un bac plus 5 modération, là il part sur le doctorat. Ton dernier toucher rectal, ça passait, c'est bon, y a pas de soucis. Si, non, mais c'est, là, mais... Tout de suite ça tourne au trac putain. Sans déconner. Mais... Il faut se rappeler de cette chronique sur Brokeback Mountain qui était un grand moment. Oui, donc non, modérateur, c'est bénévole, voilà. Donc ça me fait pas gagner ma vie. Du coup, j'essaye de travailler le reste du temps. J'essaye. Non,
Là, en ce moment, je suis plutôt pépouze à la maison, mais ça va pas pouvoir durer. Donc je travaille en dehors de ça. Donc, je suis freelance. Je fais du développement web. Voilà, pour ceux qui veulent. Pour ceux qui ont besoin d'un petit site internet, voilà, si Geek Morning veut un petit site internet. Alors, qu'est-ce que tu développes en quoi sur le net? Tu connais quoi comme technologie là? Alors là, en fait, je suis spécialisé sur un outil qui s'appelle Drupal. Ouais. Donc Drupal, c'est un CMS. CMS, ça veut dire Content Management System. Ça veut dire que ça va manager. C'est un logiciel qui permet de gérer des contenus. Et donc c'est un logiciel qui a été très utilisé par les chaînes de télé et de radio. Donc notamment France Télé qui était complètement dessus, France Radio, et puis pas mal d'autres grosses marques. Et donc je suis spécialisé là-dessus, c'est en PHP pour ceux qui connaissent. Ouais. Et donc depuis quelques années, je vais chez les entreprises pendant une certaine durée de 6 mois à 1 an et je travaille pour eux, voilà, sur place. D'accord, ok. Est-ce que tu touches un petit peu au code ou est-ce que tu t'es pas du tout intéressé, tu restes sur le net? Est-ce que tu t'es est-ce que tu t'es intéressé, je parle de code, autre code que le net, autre code que le webnet, de C++, de Java, de... J'en ai fait à l'école, mais c'est vrai que j'en ai jamais fait après au niveau, un niveau un peu plus poussé, donc c'est vrai que tout ce qui est jeux vidéo, j'ai jamais pu travailler dessus et je travaillerai sûrement jamais dessus. Parce ça t'intéresse pas de partir là-dessus? Bah, c'est intéressant, hein, mais ça demande un investissement qui est assez important. Donc, c'est pas simple de switcher en pleine carrière comme ça de technologie, parce qu'il faut du temps pour apprendre. En plus, t'arrives dans une entreprise et les mecs ils te disent bon, t'as pas d'expérience là-dedans, c'est compliqué. Voilà. Surtout quand t'es freelance. Hein, quand t'es freelance, tu dois quand même arriver avec ton bagage technique et tes références derrière. Et, il faut avoir des entreprises soit qui sont très ouvertes. Soit il faut que tu te formes largement tout seul à la maison. Et mine de rien, au gaming plus mon boulot plus ma vie sociale, parce que parfois j'en ai, ça prend du temps. Quel menteur. Parfois je vois des gens. Quel bluffeur. En fait il sait pas, parfois en fait il va rejoindre Sexy Blood pour faire des cosplays. Tu déguises en quoi d'ailleurs? J'aimerais bien te voir en cosplay, à mon avis ce serait marrant. Il faudrait faire une coop avec Sexy Blood, oui, en cosplay. Bah voilà, oui. Je sais pas, un personnage de manga avec son chat par exemple, et je joue le chat, je me déguise en chat ou n'importe quoi, un truc de genre. Sexy Blood, si t'es encore sur le chat, n'hésite pas à donner des idées qui te viennent à l'esprit là comme ça. Bonjour à Grenat, hein, qui vient sur le chat. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Incroyable. Elle m'avait promis de venir à 10h pour me dire bonjour, donc c'est bien, elle est à l'heure. Ah. Moi je déteste les gens qui disent j'ai une vie quoi. Ça veut dire que ta vie sur le net, c'est pas de la vie en fait. Enfin en gros, c'est pas de la vie là ce que tu fais quoi. Non, on a une vie réelle, pas virtuelle. Mais ça a rien à voir. Quand tu parles avec des gens, quand tu les vois, quand tu fais une émission, c'est pas ta vie ça? Non mais si, bien sûr, c'est ça fait partie de ma vie, une vie sociale, mais c'est pas forcément une vie sociale. C'est enfin, moi, hein, mais la vie sociale, si tu expliques, ça suffit. Hein. C'est social, mais si j'ai envie de te toucher l'épaule par exemple, Daft, comment je fais? Et ben tu peux là, être du cul aussi, hein. Là, voilà. Voilà. Et si j'ai envie de partager ma bière et de trinquer, comment je fais? Et ben tu la partages avec toi via la caméra HD 960. Et c'est pas triste 4K, ça. Hein, c'est parfait quoi. Non, parce que ce qui est cool avec la distance que tu peux mettre sur le net, c'est que tu n'as pas besoin de sentir les gens, l'odeur. Déjà, c'est sympa. Il y a pas l'odeur déjà. Lorsque tu veux arrêter la conversation, tu as juste à cliquer sur la fenêtre. Hein, donc voilà, à plus, j'ai pas envie de te parler. Enfin voilà, il y a plein d'avantages à être sur le net. Hein, donc moi j'ai une question pour toi Daft, quel est ton monde rêvé? Est-ce que c'est un monde où tu ne sors plus du tout de chez toi en fait? Non, mais en plus c'est vrai, parce que moi là je joue un peu sur ce personnage, mais c'est pas vrai, enfin, je sors souvent, etc. Donc, Non c'est faux, il sort jamais, le mec a peur de tout quoi. Non c'est pas vrai Daft. Le mec il monte trop marge le cahier, il a dit le vertige. C'est pas vrai. Il faut savoir que la seule fois où il m'a vu faire un truc de fou, c'est des bâtards, ils m'ont envoyé faire de l'hydrospeed. Forcément l'hydrospeed ça va vite quoi. J'ai failli mourir à ce moment-là. Arrête, je me suis retourné. Arrête. Alors attendez, mais je vais vous raconter parce que c'est une histoire de folie ça. Je fais de l'hydrospeed. Vous savez ce que c'est? Vous savez, vous êtes sur une petite bouée et vous descendez des rapides. Voilà. Hein, ah oui, puisque tu le demandes, je vais chercher la vidéo pour le mettre en link. Il y avait des rapides et donc du coup, la tristesse. Je vais la supprimer d'après la vidéo. Hein. Et donc du coup bah voilà. Et le truc c'est que le mec il t'explique donc comment faire, parce que t'as pas de formation, tu vas faire. Et
Il te dit, si jamais tu te retournes, tu peux mourir. Je me suis retourné. J'avais la tête sous l'eau, j'arrivais plus à respirer, j'étais bloqué, quoi. Le mec, le mec ne se respecte pas. C'est vrai que c'est du sport, hein, tout ça. C'est... Non, non, mais le mec, on file une planche, faut dévaler une rivière, quoi. Ça va, c'est pas non plus. Arrête de faire le malin, là. Ouais, en plus, ça va, vous êtes parti, vous êtes allé vous mettre près d'une rivière, tu sais, c'est dégueulasse, ça. What the fuck. Le mec, il fait n'importe quoi. Moi, du coup, j'ai arrêté, j'ai pris en milieu de chemin, je suis sorti de la rivière, je me dis, bon, bah, je vous attends ici, j'attends que vous passiez me chercher, quoi. Voilà, enfin, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Hein, ah, il a fait un peu la zaza, quoi. Mais c'est pas grave, on t'aime comme ça, Daft. Hein, voilà, donc c'est pour savoir. Voilà, mais en fait, en gros, il faut choisir ses amis, bien entendu. Les gens qui ne font pas des vidéos sur vous quand vous êtes dans la merde, voilà. C'est une grosse merde. Il faut le savoir. Mais c'est pas vrai, c'est faux. Non, en plus, c'est Nox. C'est Nox. Il faudrait faire une émission spéciale photo dossier de chacun de tout le monde. Un peu comme les émissions d'Arthur à la télé, là, les enfants de la télé. Il y en a trop sur moi, je peux pas. Où on balance des photos de Daft, des photos de Sandra. Ça peut être sympa. Bah ouais, mais de toute façon, moi j'ai pas peur, je m'en fous. Écoutez, hein. Au moins j'ai vécu une expérience formidable. Où j'ai affronté la mort. Tu l'as regardé droit dans les yeux. T'as vécu une demi-expérience. Et maintenant, je pourrais dire, vous voyez, les gars, ouais, je me suis battu, quoi. Ah bah, à savoir que, genre, quelques mois après, on a fait une sortie pour faire du blob jump. Bizarrement, il était pas libre. Il avait piscine ce jour-là. Ouais. Non, mais elle est bien sympa, la petite vidéo, hein, quand même. Ouais, bah, ils m'ont juste trollé comme des merdes, quoi. Enfin, c'est tout. Ah là là, nous aussi, un jour, on aura un best-of, vous en faites pas. Un bestouf. Bestouf. C'est ça. Bon les amis, petite pause syndicale. Moderate, on te garde avec nous et puis on te fera un petit bisou juste avant. Ouais, ça marche, faisons comme ça. Qui c'est qui va arriver du coup après? C'est Lorgar. Lorgar qui va nous rejoindre à 11h les amis. Vous allez pouvoir lui poser des questions, Lorgar, sur le chat et tout simplement sur le Geek Morning Live. On se dit à dans 5 minutes, ne bougez pas, bah tout de suite. À doute. Et de retour les amis sur le Geek Morning. La pause est terminée. Oui, on a vu la photo de cœur. Sandra, arrête. Mais non, mais moi je l'avais pas vu encore. Bon. Je l'ai pas vu non plus. Alors, c'est sur Twitter le hashtag Geek Morning les amis. Hein. Vous faites partie de l'émission ou pas? De quoi tu parles? Je vois pas de quelle émission. On fait quoi là? On est où là? Qui nous regarde? Arrêtez. De quoi il s'agit? C'est tout de suite. Alors on rappelle rapidement que Moderate était notre premier invité. Moderate, donc streamer et aussi donc fait partie de la modération au gaming. Donc du coup, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement avant qu'on reçoive notre deuxième invité? Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? À quelle heure? Quand? Comment? Comment s'appelle ton émission? Qu'est-ce que tu fais? Et pourquoi? Rapidement. Mon émission n'a toujours pas vraiment de nom bien établi. Il faut que je fasse travailler les neurones et les viewers pour avoir un bon nom d'émission. Je pense que je vais peut-être l'appeler World Records parce que quand même, globalement, je suis plutôt bon. en tout cas, n'hésitez pas. C'est le mardi soir de 22h à minuit. C'est juste après l'émission de Talkie sur les cartes Magic. Ouais. Donc mardi 22h minuit, c'est sur la TV généraliste, sur Gaming, n'est-ce pas? Et donc le principe c'est qu'on va juste jouer à des jeux. Et une vieweuse m'a demandé très particulièrement de jouer à Dishonored à partir de la semaine prochaine. Donc, une vieweuse, voilà, ça y est, hein, on rentre dans les dossiers, voilà. Non mais ouais, mais c'est une vieweuse qui travaille beaucoup pour moi, donc elle peut me donner des ordres. Ah, elle peut t'appeler par quel petit... Quel est ton petit nom dans les soirées libertines? Est-ce qu'on peut te retrouver dans les soirées parisiennes libertines? Ça fait partie de ma vie privée, sépare la vie privée de la vie. Tu as bien raison. Merci beaucoup, Moderate, d'être passé, de t'être levé. Merci. Hein. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, hein, et puis le réveil était fort agréable. Et donc merci pour l'invitation, merci à tous pour vos questions et puis à bientôt. À bientôt, voilà. Moderate. À bientôt. Au revoir. Au revoir, président. Les amis, je vais remettre l'écran, le petit écran de pause rapidement pour faire un switch de caméra pour qu'on puisse donc voir le magnifique Lorgar. Il va arriver dans quelques instants. Alors Moderate, est-ce que tu peux quitter la conv ou est-ce que... Ok, bah on fait plein de gros bisous. Oh, comment tu lui dis casse-toi le pauvre. Non, j'ai dit s'il te plaît. J'ai dit s'il te plaît. Alors est-ce que je peux inviter maintenant Lorgar, ajouter à l'appel. RIP Moderate. Moderate qui est donc décédé en 2015. Un bel homme. C'était un beau camarade. C'était un beau camarade, exactement.
J'espère qu'il va répondre, Lorgar. Est-ce qu'il était là au moins? Est-ce qu'il oui, il était là, on l'a dit. Je lui ai dit qu'on allait switch. Allo? Allo? Allo, allo? Oui, on voit pas ta caméra. Parce que j'ai pas envie de la mettre, tiens, allez, hop. Ah! Ça, c'est fait. Je crois que tu captes pas qu'elle a plus. Je crois que ça marche pas non plus. Je crois que ça marche pas non plus, what the fuck. Attendez, je vous montre parce que c'est joli. Il faut une passoire, prenez on la bien, passoire. On est bien, gens. On prenez est la bien, passoire. On est très très bien. Le alors, mec il est dans la Matrix. J'ai vérifié il y a genre 3 secondes, tu sais. Attends, je la recoupe et je la remets. Vas-y. Ah ouais, non, c'est mieux beau, là. Ton petit perso. Eh, tu kiffes ou pas? Ah ouais, j'adore. C'est pas moi qui l'ai dessiné, hein, j'ai pas ce talent. Oh, il est trop beau. Moi ça marche toujours pas. C'est trop chou, par contre, t'as des sourcils, mon pote, vieux, il s'est pas loupé. Ouais, hein. Non, mais c'est la base, quoi. Ok, donc j'ai vérifié à 2 secondes. Alors après, il y a deux solutions. Soit je relance ce Skype de. Ah, mais attends. Ah, attends. Est-ce que c'est mieux? Ah, voilà. Mais voilà. La beauté, les mecs. Bonjour, les amis, de vivre un moment en off. Hein, exactement. En général, quand t'es en off, ça se passe comme ça. Donc là, voilà, vous avez vécu ce moment-là. Bienvenue. Alors, ça va? Bah bonjour, comment ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va, juste une petite question vite fait, vous étiez avec Moderate avant, est-ce qu'il a encore essayé de pécho quelqu'un du chat ou pas? Il a essayé à mort. Il a essayé de pécho quelqu'un du chat et il a essayé de pécho de Chandra. Il a même essayé de pécho Chandra. Non, c'est moi qui ai essayé de le pécho. C'est incroyable. Mais non, c'est moi qui ai essayé de le pécho. Moi j'ai dû dire, moi j'ai dû repousser ses avances aussi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ouais, en off, je sais pas si ça arrêtera jamais. Ah, non, en off, Sandra elle a essayé de lui filer un rancard, mais il avait pas envie. En moderate, il a dit non. Ouais, c'est ça, en fait, c'est bon. Bon râteau. En gros, il lui a dit, je passe vers chez toi tout à l'heure, machin, il a dit, ah, c'est cool. C'est cool, bah. Non, n'importe quoi. Alors, en tout cas, son pseudo dans les soirées libertines, c'est Sexy Blood. Pour ceux ah, qui voilà, merci, Blood. Merci beaucoup. Voilà, c'est bien que tu balances les noms. Voilà, donc voilà. Bonjour, Lorgar. Bienvenue à toi dans le Geek Morning. Qu'est-ce que ça fait de se réveiller le matin comme ça, là? Je sais pas. Je suis pas encore vraiment réveillé, en fait. Bah, tu vois, là, il y a ma fille, elle est dans la chambre à côté en train de jouer. Mon cerveau, il est encore en bas. J'ai pas pris mon café, j'ai pas déjeuné. Mais sinon, on est bien. Franchement, on est bien. Bah, mais tu sais, tu peux prendre le café. Tu sais, ici, c'est l'émission où on est tranquille, là. Bon, bah, je me casse, alors je vais le faire. Attends, hop. Non, je déconne. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui te connaissent pas, même si je pense que la plupart des personnes ici te connaissent? Qu'est-ce que tu fais chez Gaming et qui es-tu vraiment? Je sais pas vraiment s'il y a des gens qui me connaissent pas encore. Déjà, ça se voit, tu sais, quand je marche un peu dans la rue, tu voyais le nombre de personnes qui font semblant de pas me connaître, c'est impressionnant. ça n'arrête jamais. L'humilité des gens, quoi. Oui, c'est ça, c'est le respect de base de la personne. Alors du coup, moi c'est Lorgar, je suis streamer, caster sur Heroes of the Storm, et streamer et caster sur Hearthstone également. D'accord, ok. Plus sur Hearthstone en ce moment, et puis bon, voilà, je stream pas mal sur Ogaming TV, et sur Ogaming TV également. Est-ce que tu peux me donner l'orthographe exacte de ton pseudo Twitter? C'est Lorgar, tout simplement? Avec un S et un B à la fin. Un B à la fin? Ouais. Lorgar. Lorgar comme avec un S et un B à la fin. Ok, donc Lorgar. Est-ce que tu veux que je l'écrive sur le chat? Non, mais c'est bon là comme ça? Dis-moi, regarde sur le retour là, est-ce que tu vois le retour? Si tu cliques sur ma caméra. Il manque un S et un B. Je viens de les rajouter. Ah, pardon. Ah, mais c'est parce qu'elle regarde sur le stream. Alors si tu les as rajoutés, c'est que ça doit être bon. Écoute, je te fais confiance. Écoute, dites-moi chat, si c'est bon. De toute façon, vous allez sur Google, vous tapez Lorgar, vous évitez d'aller dans la section images. normalement ça devrait aller. Je refuse, hein. Moi on m'a balancé une vidéo de moi où j'étais en mode de combi de combi moulante. Là maintenant il n'y a plus de respect, hein. Regardez, hein, maintenant c'est bon, c'est terminé tout ça. Donc là regarde, donc oui, donc tu fais du shootcast Heroes of the Storm et Hearthstone. Pas ouais. Du tout. Ouais, si c'est ça. Et c'est ça. Donc du coup, Heroes of the Storm, pourquoi partir un peu sur ce jeu? Est-ce que c'est parce que est-ce que t'as fait comme tous les casters, tu t'es dit bon bah j'aimerais bien je casse du League of Legends mais c'est bouché, donc du coup je pars sur Heroes of the Storm. Le mec est déjà violent avec moi dès le matin. C'est vrai que moche que tu fais la daft. T'as voulu casser du LOL en fait, c'est ça? Non, mais moi j'en ai casté. Et malheureusement il y avait non, en personnes. Fait à la base j'étais joueur de Dota. Ouais. Puis Heroes of Newers et alors j'ai essayé League of Legends comme beaucoup et en fait c'est après une réaction allergique assez violente où j'ai failli perdre beaucoup, je me suis dit plus jamais je touche à ça et je retourne sur Dota et j'attendais en fait Heroes of the Storm parce que j'avais déjà testé des modes un petit peu comme ça, des arènes
où tu jouais un peu tous les persos de Blizzard, c'était rigolo. Et puis bah j'ai essayé et en fait dès les premiers jours j'ai adoré ce jeu. Il faut savoir que je l'ai eu jour 1 la bêta, j'ai pratiquement toutes les bêtas en fait de chez Blizzard, je les ai dans les tout premiers jours. Et j'ai commencé en fait à en shootcast parce que je trouvais le jeu très intéressant. Et du coup bah voilà, de fil en aiguille, j'ai essayé de m'y mettre un peu plus et de monter des teams. J'ai monté l'ancienne team de AAA aussi. Je me suis beaucoup investi dedans et là je freine un petit peu et je suis passé un petit peu sur Hearthstone parce que pour le moment Heroes, il y a pas, ça commence à monter en fait. Hier soir, c'était la première fois qu'Heroes entrait dans le top 12 de Twitch avec 10 000 viewers, enfin un petit peu moins de 10 000 viewers. Donc ça commence à monter, mais il me fallait autre chose, il fallait que j'arrive à toucher un petit peu une communauté et montrer un petit peu ma gueule et qui je suis, etc, etc, etc. Et du coup, j'ai switché un petit peu sur Hearthstone. Mais voilà, Heroes, c'est vraiment parce que c'est un MOBA qui m'a apporté de nouvelles choses par rapport au MOBA existant, quelque chose de radicalement différent, quoi. C'est une autre expérience, je pense, Heroes of the Storm, même si ça peut, pour certains, être copié sur plein d'autres choses. Mais ça, après, c'est leur avis. C'est une autre expérience, je pense, Heroes of the Storm, pardon. Il y a un autre système. Ça reste un MOBA, et effectivement, c'est pas du tout construit comme les MOBA existants. On a par exemple Smite, qui est un MOBA plus ou moins classique, mais avec une vue qui est originale. Là, le jeu en entier, pratiquement, est original. Après, que ça plaise ou que ça plaise pas, c'est vraiment juste une question de goût et on peut pas vraiment y faire grand chose. Mais au moins, le travail a été fait sur l'originalité et les nouveautés. Et le jeu est... Honnêtement, testez-le, une bonne vingtaine de games et vous allez vous y accrocher. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah bah, ça fait longtemps que aussi. Mais d'ailleurs, Dap hein, également. On a bien poncé le jeu hein, quand même. Hein. Ah bah moi toujours. Hein. Moi, je suis un gros squatter de HOTS. Hein. Je joue au moins 2-3 heures par jour à HOTS. Comme un porc. J'adore le jeu. J'adore ce côté justement où on y va, on s'arrête jamais, il y a toujours de la baston. C'est cool, on se fait pas chier avec les phases de lightning. Et surtout, ce qui fait la différence, je pense, c'est vraiment les arènes, le fait qu'ils en implantent des nouvelles. Chaque arène, il y a des objectifs différents, des objectifs de map avec des stratégies différentes. Et ce qui commence à être cool, justement, avec le mode ranked qu'ils ont mis, c'est que vu qu'on connaît la map en avance, on peut adapter les personnages par rapport à la stratégie de la map. Et ça, je trouve ça encore plus pointu et encore plus cool à jouer. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Ça. Après, je vois une réaction dans le chat qui dit que en fait, c'est très casu. En fait, c'est aussi casu que World of Warcraft. Je le compare souvent à WoW, dans un sens où n'importe quel pèlerin peut créer un compte, jouer, s'amuser, aller taper du mob. Mais il y a quand même un niveau en termes de PvE et de PvP qui peut monter très haut avec des équipes qui sont sponsorisées, qui sont payées, qui sont en pro, quoi, et qui font... et qui font du gros boulot sur WoW. Et bien sûr, HOTS, en fait, c'est pareil, ça tend à ça. C'est-à-dire que n'importe quelle personne peut venir tester le jeu et comprendre plus ou moins rapidement les mécaniques de jeu. Mais il y a tout un système de tactique derrière qu'on voit vraiment pas du tout au premier abord. Des systèmes de cycles au niveau des maps. Que faire, à quel moment, comment anticiper, comment gérer la carte en elle-même par rapport à l'équipe adverse, au niveau des compos, etc. Qui vraiment se cache au premier abord. Et quand tu commences à jouer en équipe et que tu commences à t'intéresser aux maps et au jeu en général, en fait, tu découvres toute une profondeur que tu n'avais pas vue la première fois et qui est vraiment très intéressante. Bah, c'est ce qu'on racontait la dernière fois quand on parlait des jeux Blizzard, Lorgar. C'est en gros, que ce soit Hearthstone, WoW, Starcraft 2 ou maintenant Heroes of the Storm, l'accessibilité des jeux Blizzard est inégalée. Hein. C'est un jeu voilà, où tu prends du plaisir tout de suite, tu peux apprendre à jouer et jouer tout de suite. Et par contre, eh bien, si t'as envie de devenir un fou, bah, y a quand même un gap de level énorme avant de passer, tu vois. C'est-à-dire qu'en gros, ils arrivent à mettre le jeu accessible à tous, mais quand même agréable pour les élites qui touchent vraiment. Donc du coup ça crée le côté e-sport après derrière, parce que du coup les gens ils se disent ouais mais en fait on est super bon, on a envie de gagner quoi. Le meilleur exemple c'est Starcraft 2 quoi. Ouais, Starcraft 2 qui a un cap level énorme, il y a un fossé énorme entre les casus justement, parce que le jeu moi étant je suis un casu de Starcraft 2 quoi, j'ai pas dépassé platine en classement, mais j'ai toujours pris du plaisir sur ce jeu et quand tu vois le cap level, le niveau qu'ont les pro gamers sur Starcraft 2 qui est absolument énorme, enfin un truc que tu peux pas atteindre si déjà t'étais pas né avec les skills dans les doigts quoi. C'est ça, si t'es pas sorti avec un clavier et une souris, toi tu feras Starcraft 2, toi non, toi t'iras sur LOL. Allez boum. C'est juste, désolé. Gratos. Gratos. Bah ceci dit, il y a plein de joueurs Starcraft 2 qui sont switch sur LOL. Hein.
Ouais, bah ouais, bah ils arrivaient plus après. Il y avait trop d'unités. Non, bon, allez, je troll, mais c'est vraiment pour le troll. Hein, y a pas de, j'ai rien contre LoL. Hein, c'est juste pour le fun. Après, il y a StarCraft 2, je le mettrai un petit peu à part quand même, parce que StarCraft 2, c'est la fin d'une époque Blizzard où, en fait, c'est le dernier jeu. Le dernier jeu Blizzard non free to play. Et avec une réelle volonté de ne pas laisser des joueurs casu. Je sais pas comment expliquer ça, mais en gros, quand tu joues à StarCraft 2, le truc c'est que c'est très élitiste. Mm-hmm. StarCraft 2 est assez frustrant dans le sens où quand tu fais une erreur, bah c'est ta faute quoi. Si tu perds, quand t'es en 1v1 en ladder, bah c'est ta faute. Y a pas de chance, y a pas de RNG, y a que dalle. C'est parce que t'as fait de la merde et puis tant pis quoi, tu repasses sur une partie après. Donc ça reste très très élitiste et c'est le dernier jeu comme ça. Tous les jeux après StarCraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm et probablement Overwatch qui sera dans le même sens. Et même Diablo 3 a suivi un petit peu cette courbe. Ils sont passés en free-to-play et ils ont été très casualisés encore plus que d'habitude au niveau de l'accessibilité. Et je dirais que ils ne motivent pas réellement par eux-mêmes les joueurs casus à s'entraîner, on va dire ça comme ça. On a perdu un petit peu cette espèce de vision où quoi qu'il arrive, il faut que tu travailles, il faut que tu y ailles pour progresser. Limite Hearthstone ou Heroes, tu peux faire une partie par jour ou par semaine et tu prendras quand même du plaisir. Si tu fais ça sur StarCraft 2, bah tu vas juste te faire piler une fois par semaine et puis c'est tout. Moi j'ai une question pour toi, qu'est-ce que tu penses du prochain jeu Blizzard Overwatch, qui d'ailleurs ne s'appelle plus comme ça. J'ai oublié le nom, ils ont dû changer le nom. Qu'est-ce que tu penses de ce jeu? Qu'est-ce que tu penses qu'il va... C'est eux qui ont changé de nom. Je pensais que Blizzard allait gagner le procès. Il me semble qu'il a changé le nom. Hein. Je voulais en parler une fois pendant un moment, puis j'ai complètement zappé. Il me semble qu'il a changé, puisque c'est déjà un nom qui a été déposé. Hein. Ouais, mais bon, avec les avocats, je me suis dit... Ah bah attends, c'est comme si tu faisais une marque Adidas et puis que on te disait... En fait, le truc, c'est que c'est pas ça. Le truc, c'est que c'était une petite boîte qui avait le nom Overwatch et que du coup, je pensais qu'ils avaient même limite les racheter, tu vois. Tu vois, pour te dire. Mis à part ça, c'est pas ça le sujet. C'est qu'est-ce que tu vas penser du jeu Overwatch? Est-ce que tu penses que ça va être un truc qui aura vraiment à la sauce Blizzard, qui va très très bien fonctionner une nouvelle fois? En plus, c'est quelque chose qui... Apparemment, beaucoup de monde l'attend. J'ai envie de te dire que je suis un peu sceptique. J'ai aucune inquiétude par rapport au jeu en lui-même. Mm-hmm. Je pense que concrètement, Blizzard a montré que jusqu'à présent il savait faire un bon travail et que quoi qu'il arrive, quand tu prenais le jeu, tu y allais, tu t'amusais tout de suite. Et je pense que ce sera la même chose. Là où je suis un peu sceptique, c'est que tout le monde attendait Heroes of the Storm également. On en parlait avant. Et la hype a un peu de mal, je dirais, pour le moment à monter. Ça commence à peine, mais bon, le jeu n'est pas sorti, il y a eu très très peu d'accès. Donc je pense que le jeu va être très bon, je pense que le jeu va être très plaisant, et je pense que ce sera un très bon, on va dire, counter à Team Fortress. Ouais. Faut savoir qu'en fait, à la base, je sais pas si vous savez, mais à la base, en fait, c'est ce qui reste de Titan, Overwatch. Ouais, c'est ça, ouais. Oui. C'était les Battlegrounds de Titan, en gros. Et j'ai un ami à moi qui bosse chez Blizzard qui les a testés et qui lui n'est pas trop dans cette espèce d'optique où quand tu parles de Blizzard t'es obligé de, quand il travaille t'es obligé de tout dire que c'est génial, tu vois, et pour le coup il m'a dit il y a plein de jeux qu'il a testé, notamment Hearthstone il aimait pas, et Heroes il était pas fan. Par contre Overwatch, il a trouvé que c'était vraiment très agréable, très fluide, avec des mécaniques très sympas. Et que, et que c'était l'un des jeux les plus agréables qu'il ait testé en interne chez Blizzard. Est-ce que tu penses qu'il faudrait le... Est-ce que c'est une simple question, hein, c'est pas une conclusion. Est-ce que tu penses qu'il faudra le comparer à d'autres jeux Blizzard qui ont très bien fonctionné, ou carrément le... Comment je pourrais dire, le rendre indépendant et le rendre vraiment à part tout en le gardant à sa sauce Blizzard? Parce que voilà, de toute façon Blizzard quand ils sortent un jeu, c'est tout de suite on compare à un autre. Parce que voilà, c'est Blizzard, etc., même s'ils font des très bons jeux. Est-ce que tu penses que celui-ci vraiment va être du genre à dire « Bah ouais, c'est Blizzard, mais il est différent. » Bah il est différent de base, hein, déjà par son contenu, c'est un FPS déjà. Enfin, c'est un TPS FPS, donc c'est unique chez Blizzard. Mm-hmm. De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, Blizzard, ça représente
enfin pour moi en tout cas, Blizzard a toujours représenté, et on parle, il parlait dans le chat de Diablo 3 en free to play. Diablo 3 il est pas free to play, je parlais vraiment pour le côté casu, mais que ce soit Diablo 3 ou Heroes ou War 3 ou quel que soit le jeu que Blizzard a sorti, excepté du coup HOTS puisque c'est un jeu sans lore, il y a toujours cette espèce de couverture Blizzard, cette espèce de, tu sais que c'est un jeu Blizzard, il y a du lore, le truc est travaillé, il y a quelque chose qui va voilà, qui fait que tu reconnais la patte Blizzard dans le jeu vidéo auquel t'es en train de jouer. La seule chose qui me fait peur par rapport à ça, c'est que justement Hearthstone est un free-to-play sans lore au final, Heroes of the Storm est un free-to-play sans lore. Et j'ai un peu peur qu'au final, Titan, qui soit une nouvelle licence, soit un free-to-play avec une licence sans lore, sans histoire, sans chose travaillée derrière. Parce que bah récemment, on a bien vu que ce qui marche le mieux au final, c'est un free-to-play à microtransactions en termes de business model. Il n'y a pas plus rentable. Mm-hmm. Et d'ailleurs, surtout pour pérenniser les jeux, les DLC, plus ça va et moins on en voit et on voit plus ce genre de système-là. Et j'ai un peu peur en fait qu'Overwatch, bah voilà, ils aient pris Titan avec plein d'histoires, plein de choses créées. Ils se sont dit que c'était trop, que ça allait pas spécialement marcher, qu'en plus ça pourrait peut-être concurrencer eux-mêmes World of Warcraft et forcer peut-être un petit peu, je pense, sa descente. Donc ils ont pris des Battlegrounds, ils les ont mis. Mais au final, s'il n'y a pas d'histoire, t'as peut-être un peu plus de mal à t'attacher au perso, t'as peut-être un peu plus de mal, tu vois, à rentrer. J'ai un petit peu peur que Blizzard tende vers ce genre de système et de jeu. Ouais, mais s'ils le font bien, pourquoi pas. S'ils le font bien, pourquoi pas. Je pense qu'on l'attend tous, ce jeu. J'entends beaucoup de monde en parler, etc. À chaque fois qu'il y a des vidéos, à chaque fois qu'il y a des actus là-dessus, c'est vrai que beaucoup de monde en parle, puisqu'on est quand même intrigué par ce genre de jeu que Blizzard n'a pas vraiment déjà exploré sur ce terrain-là. Donc je pense que, mis à part ça, vraiment, je pense que les gens se disent... Je pense qu'ils en ont rien à foutre de savoir l'histoire. Je pense qu'ils veulent simplement se dire, voilà, c'est Blizzard. Blizzard n'a jamais tâté ce terrain-là. On veut voir ce que Blizzard va faire. Et si Blizzard le fait bien, c'est tout bénéfique pour nous. Ah, c'est sûr, mais la question que tu m'avais dit au début, c'est est-ce qu'on peut le comparer par rapport aux autres jeux Blizzard ? Et moi, en le comparant, vraiment, ce que je regretterais, et je ne remettrai pas, je pense, en cause la qualité du jeu. Encore une fois, Blizzard sait faire de bons jeux. Et quand ils savent pas faire un bon jeu, ils arrêtent le développement tout simplement. Mm-hmm. Mais c'est juste que ce qui fait aussi la grandeur des jeux Blizzard, c'est que chaque univers de chaque jeu, en fait, fait que bah tu peux en faire toute une suite. Tu vois, tu peux rentrer, tu parles aux gens qui jouent à World of Warcraft, ils connaissent les persos, ils connaissent un petit peu leur histoire. Pareil pour Warcraft 3, ça raconte une histoire. Starcraft 2, ça raconte une histoire. Diablo 3, ça raconte une histoire. Hearthstone, non. Heroes of the Storm, enfin, non. Ils l'ont dit dès le départ que c'était pas du tout pour ça. Et j'ai un petit peu peur que Overwatch, du coup, l'histoire ne soit plus là. C'est-à-dire qu'il y avait possibilité d'en avoir une et que cette histoire, bah, elle soit passée. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis là. Tu dis que Hearthstone et. Pas Hearthstone. Ouais, si Hearthstone et Heroes of the Storm ne racontent pas d'histoire, oui, mais en gros, en fait, c'est les personnages que tu connais qui font l'histoire, du coup, en direct là. C'est-à-dire que tu te fights avec des persos que tu connais, hein, Jaina, Thrall, oui, non, etc. Bien sûr, mais ce que je veux dire. Enfin... Le seul souci là, d'ailleurs, c'est pas mal de questions qui ont été posées pendant la présentation de Overwatch à la BlizzCon. Beaucoup de gens. D'ailleurs, justement, c'est pour répondre aussi à Sandra ce que tu racontais. Beaucoup de gens ont demandé à Blizzard s'il allait avoir un background, s'il allait avoir justement une histoire, si les persos allaient être introduits, comment ils allaient être introduits, s'il allait avoir des vidéos. Tu vois, les gens demandent ça parce que c'est un peu la marque de Blizzard, c'est toujours de ramener pas simplement un personnage comme ça, on te balance un truc, par exemple, sur n'importe quel jeu vidéo, juste avec un petit synopsis limite, voilà, ce perso est né là, t'as terminé. Non, c'est ça. C'est qu'il y a quand même une histoire derrière et ils pensent le faire. Mais après, l'un n'est. Enfin, c'est pas. C'est pas parce que tu fais un jeu qui est basé sur du Battleground que c'est pas possible. Je connais pas LoL, ni les backgrounds de LoL, ou je sais pas du tout comment c'est géré. Mais par exemple, pour Dota, il y a une véritable histoire derrière, en fait. Chaque perso a une histoire, il y a des histoires entre les persos, il y a vraiment. Alors, c'est pas forcément un background de 150 lignes ou de 15 bouquins, mais il y a un background pour chaque perso qui est là pour une raison, qui a son ennemi, qui a son allié favori, son pire ennemi, etc., etc., et qui en plus dans le jeu se balance des vannes en fait quand les deux pires ennemis sont dans la même équipe, y a une interaction entre les personnages, donc tu peux quand même faire créer une histoire même si t'es un jeu à la base plus basé sur j'arrive, je passe sur une file d'attente pour aller trouver un match et j'y vais. Or ça, enfin l'histoire
tu parlais de l'histoire d'Hearthstone et que les personnages font l'histoire. En fait, l'histoire de comment ça s'appelle d'HOTS, c'est bizarre, l'a clairement dit qu'il n'y en avait pas et qu'ils avaient juste pris le Nexus pour trouver une raison. Mm-hmm. Parce que téléporter des héros dans une arène, deux, trois univers. Enfin, il n'y avait pas d'autres possibilités pour qu'ils soient tous là, tu vois. C'est ça. Il fallait un truc what the fuck. Mais voilà, c'est la seule chose dont j'ai un petit peu peur. Mais après, sinon, je suis persuadé que le jeu il va cartonner. Enfin, je suis persuadé que ça va. Que le jeu va être bien, qu'il va être agréable, qu'il va cartonner et qu'il y aura probablement de l'e-sport parce qu'ils essayent, ils essayent par tous les moyens d'y aller là. Avant de donner la parole à Dap, donc du coup t'es un fan un petit peu de l'univers Blizzard ou pas vite fait? D'une manière générale j'aime beaucoup les univers de Diablo, Warcraft et Starcraft. Ouais. Et bah justement, puisque tu dis ça, la BlizzCon, il y avait un trou avant qu'ils annoncent Overwatch, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi ils font ça. Et quand ils ont annoncé Overwatch, alors t'avais des gens qui étaient très contents et t'avais des gens très déçus. Alors je faisais partie des gens très déçus, tout simplement parce que j'attendais Warcraft 4, fuck you. Ouais. Pourquoi j'attendais Warcraft 4? Parce que la licence Starcraft 2 malheureusement est en plein déclin, ils sont dans la fin, la fin de la fin, justement, ce système élitiste où les gens ont marre de passer 10 heures par jour à essayer de s'entraîner à micro des unités. Et tu veux Warcraft 4 Est-ce qu'ils vont nous sortir... Oui, bah en gros, je veux Warcraft 4 parce que je sais très bien qu'ils vont nous prendre l'histoire de fou et que je veux... Attention, je m'en fous, je vais pas jouer à Warcraft 4 pour jouer en PvP, je vais jouer à Warcraft 4 pour l'histoire, quoi. D'accord, ok. Moi, je faisais plutôt partie des gens... plutôt qui étaient contents parce que je sais très bien que Warcraft 4 on le verra pas avant pas mal de temps, pour la simple et bonne raison que en fait je pense que Blizzard, il y a un sport national, c'est de pas de critiquer mais c'est de les tuer en fait. C'est-à-dire que par exemple, quand ils ont sorti World of Warcraft, à chaque fois qu'il y avait un MMO qui sortait, ouais, World of Warcraft c'est sur le déclin, ce MMO va tuer machin. Quand on dit Starcraft 2 est sur le déclin, je trouve pas que ce soit réellement une vérité. C'est sur la bande descendante, ça c'est sûr et certain. Mais quand on dit que le jeu est sur la fin, je pense pas que ce soit vrai. Je veux dire, il fait tous les jours partie du top 12 des Twitch, sauf quand il y a des promoted games ou quand il y a un énorme streamer qui fait 25 000 viewers et qui va faire du Binding of Isaac, qui du coup prend la place d'un joueur d'entier. Mais sinon, il est toujours dans le top 12. Il est toujours très agréable, on est les premiers français sur Gaming TV en plus à diffuser du StarCraft, à tel point que les Anglais se demandent sur Reddit, mais comment ça se fait, qui c'est ces gens-là en fait qui viennent de débarquer sur Twitch et qui font 3000, 4000, 5000 viewers sur StarCraft 2. Donc je pense pas que le jeu soit sur la fin, je pense que l'extension Heart of the Swarm est sur la fin. Et comme la fin de Wing of Liberty était un petit peu... tendu et qu'on cherchait réellement à trouver autre chose et que l'extension est arrivée à ce moment-là. L'extension se fait un petit peu trop attendre, mais je pense que quand elle va revenir, il faut voir que c'est quand même l'un des jeux visuellement les plus agréables à voir. Ça pète de partout, tu comprends assez rapidement ce qui se passe et en plus il y a une communauté qui t'attend que ça. Il y a une communauté qui en a marre de StarCraft 2. HOTS, qui a envie de l'extension, qui a envie de s'y remettre, mais pour une réelle raison. Et il va y avoir, avec Legacy of the Void, je pense, un nouveau souffle qui va durer quelques temps. Et je pense qu'on est encore parti pour au moins 2 ans après l'extension Legacy of the Void, au niveau e-sport, au niveau. Voilà quoi. Après, si ça marche pas, il y a toujours Heroes, hein, mais je pense pas que StarCraft 2 soit si mort que ça. Non, en fait, c'est qu'on est dans une période creuse, en fait. C'est pas le mot que je voulais utiliser, vraiment le déclin, je pense. Si tu veux, pour comparer, en gros, c'est que maintenant, il y a tellement d'acteurs. Avant, Blizzard était vraiment le leader de l'e-sport avec CS et avec du coup Valve, parce que CS1.6, quand même, c'était un peu la sauce. Ils se sont fait un petit peu bousculer, il y a des nouveaux entrants qui sont arrivés, qui ont tapé à la porte, qui ont tout bousculé, Riot, excusez-moi du peu, mais c'est quand même un peu les psychopathes de l'e-sport maintenant, hein. Ils nous font des trucs, salut. StarCraft 2 a pris un coup dans l'aile parce que ils ont proposé un jeu beaucoup plus facile d'accès, beaucoup moins élitiste comme tu disais tout à l'heure. Donc du coup StarCraft 2 se retrouve en deuxième plan, en plan bon bah les gars, voilà, ça c'est le jeu pour, c'est un jeu de niche maintenant. Maintenant StarCraft 2 c'est limite devenu qu'un jeu de niche, tu vois. Je sais pas si c'est vraiment pour ça. Je pense que
Enfin, je pense pas que si tu veux, Riot soit arrivé en disant StarCraft 2, tu dégages, maintenant c'est mort. Non, ils ont pas fait exprès. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont arrivés, et c'est pour ça qu'en fait, on peut pas réellement critiquer LoL en disant que c'est un jeu de merde, parce que c'est le jeu le plus joué au monde. Ça fait pas non plus toute l'argumentation du jeu. Mais quand t'as des millions et des millions de joueurs qui jouent et qui regardent un jeu, c'est que le jeu, et au moins, tu peux pas lui dire qu'il est. Il est pas plaisant quoi. Enfin, il y a cet argument là, il est plus valable. Mais je pense qu'en fait ils ont juste tapé, en plein là où il fallait. Ils ont pris un Dota qui est très compliqué. Ils en ont fait un truc très facile d'accès et en plus avec une très bonne com. Et ils gèrent tout guillemets de A à Z. Et c'est très bien fait. Là où Blizzard s'est planté, je pense. Et je pense pas qu'ils soient même plantés. Je pense qu'ils se sont fait devancer. Je pense que Riot a bien joué là-dessus. C'est qu'en fait Riot gère son e-sport et a une com monstrueuse par rapport à Blizzard où la com est très très difficile, hein, c'est très connu. Blizzard pour avoir des infos, c'est un peu compliqué. En gros, il faut voir que d'un côté, t'as une petite boîte qui s'est montée où les mecs ils étaient déjà ils avaient déjà tout leur plan en tête, ils ont tout mis dedans entre guillemets et ils ont explosé. Et de l'autre côté, t'as une boîte un peu vieillotte mais qui est grosse. Et du coup, pour faire avancer la machine et pour faire bouger quelque chose, c'est beaucoup plus long. Donc, pour s'adapter au marché, c'est beaucoup plus long et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les free to play. Mais ils sont dans la deuxième vague parce que Blizzard ne peut pas, du fait de sa structure, être l'initiateur de ce genre de truc. Donc en fait, ils se sont fait bousculer parce que en fait, tous les gens qu'ils arrivaient pas à viser avec StarCraft 2, ils sont arrivés trop tard avec HOTS. Ils sont arrivés trop tard et c'est LoL qui les a pris. Si HOTS était arrivé à la place de LoL à ce moment-là, peut-être que la donnée se serait inversée. Mais je pense qu'en fait, juste, c'est un jeu de niche. Parce qu'on compare à Riot. Mais si t'enlèves Riot, en fait c'est un jeu qui est tout à fait, entre guillemets, qui est tout à fait respectable en termes de vues et d'audience. Il faut pas comparer par rapport à, je pense, à la personne qui explose. Riot, c'est un îlot, c'est un truc que personne n'a compris et qui a explosé et qui est génial. Hein, c'est tant mieux pour eux, hein, c'est super. Et qui du coup faut voir la suite en fait. Faut voir s'ils vont tenir sur la durée et je le pense. Et faut surtout que les autres acteurs maintenant, comme Valve, comme Blizzard, essaient de trouver des solutions pour revenir sur le devant de la scène ou au moins être toujours rester toujours dans au deuxième niveau de l'e-sport. Quoi. Moi du coup j'ai une vraie question. Juste deux secondes parce que Dap depuis tout à l'heure il parle pas. Dap, est-ce que tu voudrais intervenir parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure il est voilà. Vas-y Dap. Tu veux que je commence par où? Sur Warcraft K, sur Overwatch. Voilà, balance ce que tu veux parce que c'est vrai que là depuis tout à l'heure Monopoly ça fait au moins un quart d'heure que t'as pas parlé. Vas-y. Non, Overwatch juste pour dire qu'ils ont clairement annoncé qu'il y avait une histoire donc. Ouais mais ça c'est sûr. On est sûr qu'il y aura une histoire. En plus ils ont dit que leur perso serait dans HOTS donc forcément il y a une histoire à côté et HOTS où il y a la non-histoire pour réunir tout le monde. Moi ce qui me fait peur avec Overwatch c'est vraiment j'ai peur qu'il y ait un skill cap élevé un peu comme StarCraft 2. Des images que j'ai vues ça a l'air vraiment d'aller vite. Et plus ça va vite et plus à partir d'un moment il y a le niveau qui s'élève. Donc après c'est pas plus mal hein, qu'il y ait un fossé entre le casual et le pro gamer, mais à voir s'il est pas trop gros. Pour Warcraft 4, mec tu rêves, il y aura jamais de Warcraft 4 soon. Ouais, je sais que je rêve. C'est ça. Que tu veux, je suis un rêveur quoi. Moi aussi je suis un fan de la licence Warcraft, je suis un fan des jeux de stratégie, mais le problème c'est que les jeux de stratégie c'est pas Wars quoi. C'est pas Wars économiquement, ça marche plus. Enfin, pour le moment oui, mais il y a moyen de faire un mode mec, demain il sort Warcraft, demain il sort Warcraft, tout le monde paye hein. Demain ouais. Il t'annonce Warcraft. Ils ont essayé avec StarCraft 2. Rappelez-vous qu'au début de StarCraft 2, l'hôtel des ventes de Diablo 3 à la base, c'était StarCraft 2. C'est-à-dire qu'à la base, ils ont voulu faire de la microtransaction sur la vente des maps, des fun maps sur StarCraft 2. Ils essayent en fait de faire ce que Valve a fait avec le market, mais ils n'ont pas trouvé ils n'ont pas encore trouvé comment le faire parce que pour le faire il faudrait qu'ils redéveloppent Battle.net en entier et donc ils essaient de trouver un système alternatif et ils ont essayé de faire ça sur StarCraft 2, ils l'ont arrêté et ils ont essayé de faire ça sur Diablo 3, ils l'ont arrêté, mais ils cherchent en fait un système adaptable à tous leurs jeux. Ils l'ont trouvé sur HOTS mais c'est un MOBA, c'est facile. Donc c'est pas dit qu'on ne voit pas de microtransactions arriver,
sur sur peut-être pas Legacy of the Void, parce qu'à mon avis ça ferait trop, enfin à mon avis ça déclencherait la fureur du monde, mais peut-être sur un prochain, sur un Warcraft 4, hein, justement. Mais le plus gros problème pour un nouveau STR c'est de le rendre viable pour le plus de monde possible, parce que la différence entre les MOBA et tout ça, c'est que tu touches pas mal de monde. Si tu fais un STR qui touche plus de monde, ça veut dire que tu le casualises, mais à ce moment-là tu perds l'intérêt d'un jeu STR, justement parce que les gros fans ils aiment bien ce côté un peu complexe, soit du wargaming où c'est, faut vraiment réfléchir, t'as des stats, ou soit le côté stratégie en temps réel, micro-gestion, macro-gestion, où vraiment tu kiffes, donc c'est vraiment spécifique, et ouais, j'ai peur qu'ils perdent ça, donc il y a un truc à réfléchir, et à mon avis c'est compliqué, ils le savent, c'est pour ça que pour l'instant ils s'engagent pas sur cette voie-là. Après, sur StarCraft 2, quand vous parliez de déclin, c'est pas que c'est un déclin de StarCraft 2, c'est qu'il stagne en fait. Il stagne et les autres montent, c'est juste le souci. Donc, à mon avis, Legacy of the Void, ça va juste lui mettre un petit coup de fouet comme Heart of the Swarm. Ouais, ouais. Ça va un petit coup de fouet, il va remonter, puis il va redescendre doucement et restagner tranquillement. Quoi. Le problème de la microtransaction sur Diablo 3, c'est qu'elle n'a vraiment pas sa place, clairement. Alors pourquoi ? Parce que microtransaction et market de Valve, oui, sur CS, excuse-moi, mais on s'en fout, c'est des skins ou des... Voilà, c'est rien. Là, on parle d'un jeu où il faut que tu farmes pour avoir du stuff. Si, à la place de farmer, t'as juste à prendre du gold et t'acheter les meilleures armes du jeu, tu perds tout l'intérêt du jeu de farm. Donc ça sert à rien sur Diablo 3. Je suis totalement d'accord avec ça, parce qu'en fait, ce que beaucoup de gens n'ont pas saisi, c'est pourquoi il est venu là, en fait, l'hôtel des ventes. Il faut bien comprendre que le farming, et le farming chinois, le gold farming, pardon, sur les jeux, que ce soit MMO, que ce soit hack and slash, il existe depuis bien avant Diablo 3. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est que l'hôtel des ventes, il était là pour un peu contrer ce truc-là. Aujourd'hui, tu avais... sur Diablo 2, sur Path of Exile, sur tous les hack and slash et sur tous les MMO, t'as des gold sellers qui viennent et qui farment avec des bots, qui transfèrent les gold et qui les revendent sur des sites. Donc les gens en fait qui achetaient du stuff via l'hôtel des ventes en argent réel, la plupart achetaient déjà leur stuff mais sur des sites tiers et à des prix bien plus élevés. La première en fait idée de Blizzard par rapport à l'hôtel des ventes, c'était bon de se faire du pognon, hein, ça, mais ça je vois pas en quoi c'est une mauvaise chose. Mais c'était aussi de contrer ça en disant si le joueur baisse le prix pour vendre son item, le gold seller va baisser le prix. Et le joueur va baisser le prix. Et en fait, petit à petit, les prix vont se stabiliser à un niveau assez bas, entre guillemets, et ça va un peu casser ce système de gold seller qui au final n'a plus aucun intérêt à venir sur le jeu, puisque il n'arrivera pas à être rentable par rapport à ce qu'il farme en fait. Donc c'était il y a ce truc là, le joueur qui a envie d'acheter des gold, qui a envie d'avoir du stuff sans passer par le jeu, quoi qu'il arrive, il trouvera le moyen de le faire. Et après t'as le choix de se dire soit il le fait directement en récompensant d'autres joueurs qui ont farmé et donc qui vendent, et pour arriver à faire 1500 ou 2000 balles par mois sur l'hôtel des ventes de Diablo 3, fallait quand même fallait y aller. Soit ils le font sur des sites tiers qui sont où les golds en fait sont farmés soit par des bots soit par des mecs on sait pas trop où quoi. Et donc du coup en fait moi ça me dérangeait pas. Je l'ai pas fait sur Diablo 3, je l'ai fait sur Diablo 2, je l'ai fait sur WoW, mais je l'ai pas fait sur Diablo 3. J'ai énormément joué à Diablo 3 et t'avais pas besoin de ça pour avancer, t'as jamais eu besoin bien sûr. Sauf que les gens qui le font, autant qu'ils le fassent et qui donne un peu leur petit sous à d'autres joueurs qui ont farmé, ça leur fait un petit peu de pognon, et en plus t'as Blizzard qui prend ça comme... J'étais pas trop contre l'idée de l'hôtel des ventes, moi ça m'a bien fait rire, parce que je voyais surtout l'aspect économique, et que concrètement dans Diablo 2 j'ai passé à un moment donné plus de temps, à une fois que t'as accumulé ton stuff, à rentrer dans des parties pour essayer de faire du trade en direct avec des joueurs, et d'essayer de négocier, de faire du troc, plutôt que véritablement aller farmer quand t'es déjà level 99, que t'as déjà ton full stuff sur tes 9 persos, tu vas essayer de trade pour aller chercher le petit truc que t'as pas encore eu, ou pour aller crafter un truc de ouf. Là t'avais plus besoin de passer des heures, il suffisait que t'ailles sur l'hôtel des ventes une fois que t'avais farmé ton stuff pour arriver à ressentir un peu la même chose. Ok, je veux bien comprendre la bataille contre les gold sellers sur Diablo 2, mais le problème c'est que
Les gold sellers, t'en as sur tous les jeux, donc t'as beau les battre sur un jeu, les mecs ils vont t'aligner sur les autres jeux, quoi. Enfin, ça, ouais, finalement oui, ça change rien, quoi. Ça change rien sur la. Ça dépend, parce que si tout le monde fait ça, ça change. Faut pas. Enfin, il faut pas critiquer. Je pense qu'il faut pas jeter la pierre sur celui qui essaye de changer les choses. Ah non. Bien sûr. Il y a toujours l'aspect potion derrière, mais c'est une boîte qui est là pour faire ça. Enfin, n'importe quelle boîte est là. Blizzard fait ça, mais Valve fait ça aussi. Tout le monde. L'exemple Ubisoft fait ça à merveille, oui, en ce moment. Mais je pense que le fait que tu trouves une solution sur un jeu, ça veut dire que tu pourras l'appliquer sur d'autres jeux et que du coup bah tes jeux seront beaucoup moins impactés par les gold sellers. Et à un moment donné c'était le cas. Après là regarde où on en est venu, c'est que aujourd'hui il y a plus d'hôtel des ventes, mais tu peux plus rien échanger sur Diablo 3. Ouais, ça c'est la mort. Bah justement, et parce ça, que ça c'est horrible, trop loin, quoi. Bah ils sont allés trop loin parce que bah il y a l'hôtel des ventes a pas marché, du coup les gold sellers sont revenus. Et du coup, bah, tu peux plus rien échanger. C'est horrible. Et ils ont le même problème sur Hearthstone. Parce que Hearthstone, c'est, à la base, c'est censé être un jeu de cartes à collectionner. Mais tu peux même pas échanger, quoi. Enfin, ça bloque un peu ce côté-là. Ah, quoi, on en a déjà parlé du fait qu'il n'y ait pas de cartes à échanger ou quoi. Ouais, mais c'est ça. Je sais plus ce qu'on a dit. Ça découle des gold sellers, ça découle des gens qui font des transactions. Du coup, Blizzard a dit, ok, on a tenté un truc, ça n'a pas marché. Eh bien, on coupe tout et fermez vos gueules. Terminé. Point. Mais moi, j'ai une vraie question qui va peut-être couper votre débat, parce que alors je n'ai plus rien suivi à partir du moment où j'ai parlé de je ne sais plus quoi. Donc autant vous dire que j'aimerais bien revenir, s'il vous plaît, dans la conversation. Moi, j'ai une question qui va peut-être faire débat. Et oui, j'aime les débats. Est-ce que l'on peut considérer Blizzard comme The Big Boss, ou est-ce qu'il s'essouffle au fur et à mesure des années en lançant de nouveaux jeux? Non, c'est difficile comme question. Non, mais ça c'est cher. Blizzard c'est Blizzard. Même s'il s'essouffle, même si demain il meurt, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Blizzard aura marqué. Tu le considères comme le Big Boss, on est d'accord? Non. Bah, non, comme, un des big, comme un des big boss, parce qu'il y en a pas mal, il n'y a pas que Blizzard, mais il a quand même marqué le jeu vidéo, comme a marqué d'autres personnes, comme 1.6 a marqué l'FPS, comme Quake a marqué une génération, enfin voilà, comme il y a plein de choses. Comme Infogrames, comme Nintendo, comme Sega, tu vois, enfin pour moi il fait partie des grands, mais il y en a des centaines des grands, donc. Mais il a quand même marqué son truc, quoi. D'accord. Au moins il y a un truc. Dans 100 ans, on se rappellera de Warcraft ou World of Warcraft, quoi. Pour le moment, Blizzard a pas fait de remake. Et ça, voilà, il y a pas de remake HD de StarCraft 1 vendu 15€, tu vois. Il y a pas de remake HD de Warcraft 2 vendu 15€. Et ça, pour moi, c'est déjà une bonne chose parce que c'est vraiment énormément la mode. Ça serait une faiblesse pour eux. Ça voudrait dire, les gars, on a besoin de thunes, on est au bout, quoi. Bah, ça veut dire que les mecs, ils ont encore des idées. C'est encore une boîte qui réfléchit, donc ils ont pas besoin de sortir des remakes, c'est tout. Bah, remarque, enfin. Mais c'est possible. Sorti Heroes of Might and Magic 3 HD, c'est une catastrophe. Ouais. Faut pas dire jamais quand même, parce qu'on sait jamais pour un anniversaire ou quoi. Mais moi, ça me dérange jamais pas qu'ils sortent Warcraft 3 en HD. Non, ça me dérange pas, mais. Enfin, voilà, date anniversaire et tu le fais une fois, tu vois, enfin. Ouais. Bien communiqué, quoi. Que derrière ce soit encore une question de pognon, on s'en fout. De toute façon, c'est toujours ça. Mais au moins bien communiqué, enfin, je veux dire. Et puis bien fait. Parce qu'en ce moment, la mode, c'est je reprends un jeu d'il y a 15 ans ou d'il y a 10 ans. Je mets un petit coup de Photoshop entre guillemets, tu vois, et je te le revends à. Donc, j'ai pris une connerie sur Radio Mythologie, là, ça m'a coûté 30€. On est d'accord, les gars, que si un jour quelqu'un essaye de faire du copier-coller sur Blizzard, il va vraiment cracher. On est d'accord, il va se gameler. C'est des questions que je vous pose, hein, parce qu'après, voilà, j'ai envie de m'intéresser dans la conversation quand même. Non, mais Sandra, c'est quoi que t'appelles copier-coller? Est-ce que tu penses que c'est piquer une idée ou c'est vraiment faire un copier-coller pur et simple? Non, parce que ça arrive, hein, tu sais que t'as des licences, enfin que t'as des jeux ou des studios qui piquent un petit peu les idées des autres et qui essayent un petit peu de faire du copier-coller. Est-ce que si quelqu'un un jour essaye de faire les mêmes choses que Blizzard, de par leur jeu, de par leur manière de faire, de par leur communication et de par leur gestion, est-ce que cette personne-là qui osera le faire vont se cracher ou vont réussir? C'est compliqué, Sandra, excuse-moi, je te donne la parole juste après le regard. C'est compliqué parce que Blizzard a une identité très très forte. Mm-hmm. Donc du coup, comme on le dit tout à l'heure, tu reconnais tout de suite les jeux Blizzard. Ouais. Donc demain, si un mec sort un espèce de Blizzard-like,
va tous faire ouais mais c'est un Blizzard like donc c'est ça en fait ma question saouler, c'est ça en fait ma question c'est si quelqu'un imaginons Blizzard un jour décide voilà oh les gars on a plus trop envie de faire de jeux en ce moment on se calme un petit peu on vous sort des patchs sur des jeux on vous sort des patchs sur des jeux qu'on a déjà mais on vous fait plus de gros jeux est-ce que s'il y a un mec qui arrive derrière avec un Blizzard like est-ce que ça va passer ou pas parce que voilà je sais pas c'est une question hein, c'est pas alors, voilà en fait c'est déjà arrivé il y a eu une copie de StarCraft qui s'appelait Earth... non, pas Earth Attack, pas Empire Earth... Il y a une copie de Hearthstone aussi, d'ailleurs. Ouais, aussi, ouais. Mais il y avait un truc, à l'époque, il y a une copie de StarCraft qui s'appelait Earth quelque chose. Alors, je me rappelle plus que j'ai eu. Et en fait, le jeu a pas du tout marché parce que c'était toujours moins bien. Et il y avait pas de contenu, il y avait pas de patch, il y avait rien derrière, en fait. Et des copies de World of Warcraft... Enfin, il y en a à plus savoir qu'en foutre. Enfin, des WoW killers. Non mais parce que des copies de jeux. Même pas des WoW killers. Mais il y a des jeux, ce sont des copies de World of Warcraft avec le même moteur, les mêmes graphismes, tout est pratiquement pareil. Limite le gameplay change un petit peu. Mais comment il s'appelle je sais pas si vous en rappelez, mais il y en a eu plein à une époque. Et en fait, tu te connectais au jeu et t'avais l'impression d'être sur World of Warcraft, mais avec des classes nommées autrement. Et en fait, la différence, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Et du coup, même si Blizzard arrête et qu'il y a quelqu'un qui arrive, je pense que le Blizzard-like, ça va se savoir. Warcraft 3-like. Et de toute façon, sur les SCR, ce sera forcément du Blizzard-like. Et sur les... Et sur, comment ça s'appelle, les MMO, quel que soit le MMO qui aujourd'hui arrive, soit il reprend une partie de ce que Blizzard a créé dans le MMO, parce que même si on avait avant, Blizzard a quand même créé et apporté pas mal de choses sur au niveau MMO. Et donc, dans ce cas-là, au final on retrouve des mécaniques et du coup on est un petit peu habitué soit c'est complètement différent et quand t'es un petit peu habitué tu retrouves des mécaniques mais faut pas que ce soit trop profond je pense par exemple à The Old Republic en fait ou même Rift en fait c'est un World of Warcraft avec une autre patte graphique et pour les 30 premiers levels de The Old Republic c'était génial parce qu'il y avait réellement une histoire mais les mécaniques c'était les mêmes et après t'as des MMO qui sont complètement différents. Et du coup, pour le moment, il n'y en a jamais un seul qui a essayé de marcher. Donc je pense que c'est très compliqué de copier Blizzard et dans leur secteur. Et c'est aussi très compliqué de les attaquer sur leur secteur avec un jeu complètement différent. Ah oui. Ils ont instauré trop de standards en fait. On a Paul Zek qui dit sur le chat hein, mais allez voir les mini-jeux sur internet, le nombre de Blizz-like, LOL-like, etc. Il y en a des centaines. Oui, hein, bien sûr. De toute manière, moi c'est vraiment ma question. Elle est simple, hein, c'est pas une question. Voilà. Débile ou quoi, c'est une question qui a quand même un minimum d'intérêt. On t'a répondu, je pense que t'as répondu. Voilà, c'est. Non, parce que dans le chat parfois ça s'excite un petit peu. Dap. Voilà. Dap, tu penses pas de la question de Sandra, toi. Tu penses que. Ah, rapidement avant la pub là, tu penses que. Est-ce qu'un Blizzard like va forcément flopper? Est-ce qu'on peut en faire encore? Et qu'est-ce qu'un Blizzard like pour toi? Ouais, mais justement, en fait, déjà la question d'un Blizzard like, c'est. Faut voir ce qu'on considère. Comme Blizzard like, est-ce que c'est juste une copie pure et simple ou un truc qui s'en rapproche? Parce qu'un truc qui s'en rapproche, je veux dire, Blizzard, ils ont inventé quelques trucs, mais ils ont, voilà, ils ont pas non plus tout révolutionné. Ils ont piqué aussi, ils ont pioché des idées à droite à gauche. Oui, bien sûr. C'est comme ça. Donc déjà, juste le truc, le mot Blizzard like, déjà, j'aime pas trop. Dis-toi que c'est une copie, tu vois, une copie pure et simple. C'est que les mecs, ils ont pris le code et ils ont mis un autre truc, quoi. Tu vois, c'est la même chose, quoi. Dis-toi qu'ils ont fait ça. Ça marchera jamais parce que ça existe déjà en mieux, quoi. En fait, c'est la copie, c'est la même chose en moins bien. Donc forcément, c'est ça marchera pas correctement. Enfin, ouais, pour moi, c'est là la question se pose même pas, quoi. C'est comme l'a dit Lorgar, c'est forcément il y a moins de suivi que chez Blizzard qui est vraiment une grosse boîte, ils ont l'expérience, ils savent ce qu'ils font, donc ils peuvent pas arriver à la cheville donc en termes de suivi de jeu. Donc forcément, même si ils arrivent, ils font la copie et que la copie est identique. Ça marchera pas, quoi. Donc à la limite, s'ils veulent faire un jeu qui marche, faire un Blizzard-like plus, quoi. Faut faire un jeu et l'évoluer, quoi. Mais à ce moment-là, c'est plus un Blizzard-like, c'est un nouveau jeu. Donc on est d'accord, juste pour en revenir là-dessus et pour moi conclure, hein, on est d'accord que ce que fait Blizzard, c'est très bien, c'est très beau, c'est super, c'est des pros, ils sont bien. On va pas en faire des éloges à fouet parce que sinon j'ai pas fini. On est d'accord que ils sont inégalables en termes de qualité de jeu, en termes de qualité d'histoire. C'est pas les jeux. D'accord, donc on est d'accord que les mecs sont forts. On est d'accord que oui, les mecs sont ils forts. Ils sont forts, mais c'est et pas les jeux. Et des Blizzard like, c'est trop. Voilà, c'est juste des pâles copies. On est d'accord.
C'est ça, c'est en gros, c'est comme si tu prends un tableau d'un grand peintre, bah tu peux le copier, t'arriveras jamais à la technique, mais ça, enfin t'arriveras jamais à l'égaler sur son propre terrain. Par contre, ça n'empêche pas d'autres grands peintres d'exister et d'être considérés comme étant au même niveau. Mais c'est juste, je pense que il faut pas. En fait, le meilleur exemple c'est Riot. Au final, ils ont fait un MOBA. Il faut savoir qu'en fait, Blizzard a pas créé de MOBA parce que à l'époque, le directeur, c'est pas le directeur général, mais enfin celui qui donne un petit peu l'orientation interne à la boîte, je me rappelle plus comment s'appelle le nom du poste quoi. En gros, disait que les MOBA ça marcherait pas. C'est pour ça qu'ils ont pas sorti de MOBA à l'époque. Donc le mec c'était un devin bien évidemment. Ouais. Il a tout vu, il a vu la vie. Un prophète, un putain de prophète. Un génie le mec. Mais je pense que du coup, en fait si tu laisses Blizzard s'installer quelque part, c'est très difficile d'aller sur ce même terrain. Mais maintenant ça existe, il y a des MMO qui marchent. Il y a des MMO qui marchent bien, il y a des MMO qui marchent pas bien, mais c'est toujours comparer les MOBA à Riot, c'est comme comparer les MMO à WoW, c'est tu vois, c'est ouais. Une fois que tu as un géant qui est installé quelque part, c'est très dur d'aller les galérer. Mais ça empêche pas d'autres grandes boîtes. Blizzard, c'est pas la première boîte de jeux vidéo non plus quoi. Donc enfin je veux dire, EA fait de très bons jeux ou pas, ou peut-être, on verra. On va dire que EA en tout cas fait des jeux, hein. BioWare qui moi était une boîte qui est beaucoup plus petite, mais qui pour moi a fait des jeux qui m'ont encore plus marqué, au moins autant marqué que les jeux Blizzard. Il y a d'autres grands, il y en a plein, mais si tu t'attaques à un secteur où si tu fais une copie de Call of Duty, c'est pareil, tu vois. T'auras du mal à aller attaquer Call of Duty. Donc, faut ouais. essayer de faire autrement. Ouais, Blizzard, c'est des qui font de bons jeux, comme d'autres sociétés. Je pense pas qu'ils s'essoufflent. Je pense juste que ils sont en train de se renouveler. Et que, bah, malheureusement ou heureusement pour eux, ils sont en train de se renouveler. Mais faut faire avec une fanbase énorme. Ouais. Qui n'accepte pas forcément le changement. Et c'est très 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 difficile pour eux quoi. Et justement, pour clôturer le débat, on peut dire que Blizzard est donc un acteur important du jeu vidéo, comme, ouais. Comme Valve, comme Ubisoft, comme des grands. Et mm-hmm. que du coup, à chaque fois qu'ils touchent quelque chose, eh bien, ils ont leur secteur, comme on l'a dit, chacun un peu son secteur. Tu peux pas attaquer WoW, tu peux pas attaquer CS. C'est exactement la même chose. CS demain, avant que Counter-Strike se fasse baiser, tu peux y aller quoi. Il y aura toujours des gens. Bref, c'est comme le disait Lorgar, c'est qu'il y a des gros, une fois qu'ils sont installés, une fois qu'il y a des géants dans un secteur, que le jeu marche, c'est très difficile d'aller le chercher. Et du coup, derrière, t'es là, tu rames. Mais bon, voilà, du coup, c'était un petit peu la partie Blizzard. Voilà, donc on l'a dit au moins 2000 fois, je pense, le mot Blizzard. Donc je pense que au gaming devrait avoir des actions chez Activision Blizzard. Je pense qu'on va avoir pas mal de thunes avec les Geek Morning. Les amis, on va faire 5 petites minutes de pause. Ouais, mais là, c'est ça. On va faire 5 petites minutes de pause et on reviendra à la fin. Donc, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup parlé. Finalement, on n'a même pas fait l'actu jeu vidéo. Donc, on va revenir. Le regard va nous préciser ce qu'il fait. Parce que là, en fait, on sait rien du tout. On a parlé de Blizzard. Pendant 2 heures, en fait. On n'avait pas commencé l'interview. C'est ça, en fait, t'es un bandit commencé. Blizzard, en fait, c'est ça. Non, attends, ne relance pas le débat. On fait la petite pause, les amis, on revient juste après. On va découvrir qui est ce Lorgar, qui c'est qui se cache derrière ce commercial de chez Blizzard, les amis. On revient dans 5 minutes, ne bougez pas tout de suite. Et de retour sur le Geek Morning, les amis. Beaucoup trop chaud. Comme diraient les Olymiens. Alors, on peut encore continuer à parler de Blizzard Entertainment. Sont-ils dévendus depuis le rachat de Activision ? Non, c'est bon. arrêtons tout ça. Bon, allez, j'avoue, en fait, j'enlève le masque. Community manager de chez Blizzard. C'était moi. Donc, du coup, oui, on a beaucoup parlé. On n'a même pas encore vu qui se cachait derrière ce pseudo Lorgar. Qu'est-ce que tu fais chez O'Gaming avant de recevoir Carnage, justement ? Qu'est-ce que tu fais chez O'Gaming ? Est-ce que tu... Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, tu streams, etc. Mais est-ce que tu fais d'autres choses ? Est-ce que t'as d'autres casquettes ? Est-ce qu'on peut te retrouver en stream ? Je bois beaucoup. Beaucoup. Il paraît qu'il faut une grosse descente pour rejoindre O'Gaming. Hein. Non, c'est pas, faut pas une grosse descente. C'est que si t'en as pas, va pas jouer. va pas là-bas au solo court, dire non mais moi je vous descends tous. Si t'as pas de descente, tu vas te faire aligner, c'est sûr et certain. D'accord. Sur O'Gaming, je fais déjà donc du stream. Ouais. Sur ma chaîne perso également, OG_Lorgar. Je stream pas mal dessus. Après, je fais pas mal d'autres choses en back-office pour O'Gaming et je suis dans l'équipe du directeur de tournoi de Kerry. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, mis à part les streams Hearthstone et. Enfin, c'est ça qui est bien chez O'Gaming. En gros, c'est une grande équipe, c'est une grande famille.
on bosse tous derrière, mais c'est une grande équipe et une grande famille. Il y a certaines personnes qui ont un rôle, mais tu peux aller aux locaux, tu peux t'amuser, tu peux. Si t'as envie d'aller faire un Mario Kart 8, tu peux taper une heure et demie de transport pour aller faire Mario Kart 8 avec chips et noix. C'est possible. Mais voilà, en gros, ce que je fais sur gaming, c'est principalement du stream. Donc sur Hearthstone, et vous pouvez me retrouver pratiquement tous les jours sur la TV Hearthstone, le jeudi soir sur la TV généraliste pour du Heroes of the Storm, et puis le reste du temps sur ma TV perso sur les réseaux sociaux. Bien. D'accord, donc n'hésitez pas à suivre Lorgar SB sur Twitter. Est-ce que tu as une chaîne YouTube? Alors j'ai une chaîne YouTube, Lorgar, L-O-R-G-A-R-D. Le truc c'est qu'en ce moment elle est pas très fournie, mais je suis en train de repréparer pas mal de vidéos pour Heroes et Hearthstone, et je fais gagner pas mal de clés Heroes aussi en ce moment. D'accord. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous dire où, dans quel pays tu vis, est-ce que t'as un boulot? Ouzbek. Non, j'habite en région parisienne. Alors j'ai pas de boulot, j'ai eu un boulot. Une fois j'ai travaillé. Non, en fait je travaille depuis l'âge de 14-15 ans. Ouais. Et ça s'est très très mal passé dans mon dernier travail. Et je me suis retrouvé dans une situation un peu particulière où j'étais surqualifié ou pas, ou sous-qualifié. Faudrait les travaux que je demandais. Donc soit j'étais pas assez payé, enfin ça a été très très compliqué. Et du coup j'ai rien trouvé pendant. Près de 3-4 mois, j'ai rien trouvé. Et j'ai commencé à stream comme ça, pour le fun, et j'ai été contacté par une autre structure. Donc j'ai commencé le stream en fait dans une autre structure de gaming, j'ai switch. Et en fait, maintenant, j'essaie de faire ça à plein temps. Donc j'ai un an pour arriver à en vivre, tout simplement. D'accord, ok. Donc tu t'es mis un objectif quand même, un objectif de pouvoir en vivre, ok. Tout à fait. Ça fait combien de temps là du coup que t'as rejoint le gaming? Ça fait à peu près, un peu moins de 6 mois. D'accord, donc il te reste encore un petit peu. Il te reste la moitié de l'année là pour. Il me reste encore un an. Ah, il te reste encore. Ah, d'accord, j'avais un peu plus de 2 ans de chômage. En fait, j'ai eu 2 ans et demi de stream. Et donc là, ça fait en gros 1 an et demi que j'ai commencé dans diverses structures et que j'ai mis en place le truc. Et là, je suis parti depuis janvier cette année en fait. D'accord. Réellement. Et ça va, en termes d'average viewer, ça monte? T'as à peu près combien Ça dépend en fait. Là en moyenne, je suis à 150 à peu près. Mmh. C'est que le départ, mais c'est quand tu fais une émission, quand t'es en solo, c'est assez compliqué de faire grimper ça. Ça prend beaucoup beaucoup de temps. Mais bon, j'ai de bons retours, donc on verra. D'accord, ok. On verra. Ça commence à grimper. On te souhaite. Est-ce que vous avez une dernière question à poser à Lorgar, les copains, avant qu'on le. Moi j'ai une question. Stream Pôle Emploi. Moi j'ai une question. C'est une question qui vraiment vient de me traverser l'esprit comme tout à l'heure, c'est perturbant. Ouais, voilà. Qu'est-ce que tu ferais si t'avais le pouvoir pendant une journée d'être invisible? Question de merde, hein. Mais c'est juste pour savoir. c'est le question qui... Je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il ferait En vrai, cette fois, vous avez pas vu, mais elle a un rail, elle a pris direct un rail. Moi, je veux vraiment savoir ce que tu peux me répondre. Je suis un putain de parano, en fait. Donc, si j'étais invisible pendant une journée, alors officiellement... Officieusement, en fait, j'irai juste dans une banque. quelque part. Je me débrouillerai pour revenir à la maison sans en disant chérie, j'ai ramené 660 000 euros, mais je peux pas le dire. mais sinon, je pense que j'essaierai de savoir ce qu'on pense de moi. Parce que je suis un putain de parano et assez narcissique par moment. Mais je suis un très grand paranoïaque, j'ai très peur de ce que les gens peuvent penser. Et je pense que j'irai tout simplement. Voir ce que les gens pensent de moi sans qu'ils puissent le savoir, et que du coup je dis ah toi je t'aime pas finalement, dégage de ma vie. Tu sais, genre il l'appelle comme ça, il fait bon ça va et tout, nan et tout, puis il lui raconte un truc, et après il raccroche le téléphone, il l'a derrière en scred en fufu, et il attend, l'autre il raccroche, putain mais c'est vraiment un connard, et tu vois, bam bim, niqué. Allez, tiens, toi je sais, là t'as pas du... C'est bien sympa ce genre de petites questions, c'est comme ça on voit le genre de personnalité, mais ça vient de me traverser l'esprit. Dap, une petite dernière question pour Lorgar SB. Alors SB pour So Beautiful, c'est ça? Non, c'est Capurib qui a dit ça. So Beautiful, c'est vrai. Tu vois, pour le coup, c'est quelqu'un qui m'a entièrement compris. reconnu toute ma grandeur. Non, c'est juste les deux initiales de mon prénom parce que, en fait, sur Lorgar, j'ai été harcelé sur Facebook par quelqu'un qui m'a
En fait, qui a cru que j'étais le père de son enfant. Ah, très bien. Voilà. Merde. Qui habite à l'autre bout de la France et qui m'a harcelé pendant plus de 6 mois. Et en fait, je voulais garder le pseudo Lorgar et j'ai juste changé les deux dernières lettres en rajoutant mon pseudo, enfin mes initiales de mon nom et mon prénom. Et du coup, bah, c'était débile parce qu'elle m'a retrouvé quand même. Et ça s'est terminé chez Flick. Ah ouais, carrément. Mais bon, et depuis, bah, j'ai pas rechangé. Voilà. Donc Lorgar. Ah, c'est ça d'avoir une femme à chaque port, du coup t'as des enfants tu sais pas où. C'est ça, c'est... En fait, faire attention. Il faut faire attention là où on trempe. Hein. Dap, une petite dernière question. Tu veux une vraie question ou une question à la Sandra? Comme tu veux. Espèce d'enfoiré. Comme tu veux. Ça, c'est... Qu'est-ce que tu aimes manger? Non mais vous êtes sérieux. Mais, non, mais, plaît, mais les mecs ils vont plus jamais revenir dans l'émission avec ces questions pour ils vont faire avec quoi, c'est bah, rigolo tu sais quoi. Cette question je la poserai à chaque invité, voilà. Qu'est-ce que tu aimes manger? Ouais. Du saumon à l'unilatéral. Parfait. Ah tiens, allez hop. Bah non, mais c'est intéressant savoir si t'aimes la junk food ou si t'aimes bien manger, te faire plaisir quoi. Ah, j'aime les deux, mais quand j'ai vraiment envie de me faire plaisir, du saumon ou des fruits de mer. Ah, quelle erreur. Ah, mais c'est toi, mais Daft, tu n'as aucun goût, Daft. Quelle erreur. Non, non, le saumon, oui, mais les fruits de mer, please, please. Ah non, mais tout ensemble, hein, tout ensemble. Une salade, un peu d'huile d'olive, du vinaigre balsamique, les fruits de mer défaits dedans, le saumon. On va faire un truc, Daft. On va faire un truc, c'est que je vais t'inviter, je vais te faire mes crevettes flambées à la tequila, tu vas voir ça. Non, crevettes, ça va. Crevettes, ça va. Les fruits de mer, mais tout ce qui est moule et tout. Ah, les gens, je vous rappelle qu'il est bientôt midi, vous pouvez arrêter de parler de bouffe, s'il vous plaît, il nous reste une heure de mission. C'est vrai que c'est encore. C'est pas possible ça, hein. Bon. Mais merci Lorgar, merci beaucoup de t'être levé pour l'émission, c'était très sympa de te recevoir et de parler de toi et de. Justement, est-ce que tu peux nous dire, comme ça en off, puisque tu es community manager de chez Blizzard, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir là, Soon? La seule chose que je peux vous dire, c'est que si je dis, je me fais tuer. Ah, sur la tempe, vous le voyez pas parce qu'il est caché dans l'angle là, mais là j'ai Mike Morem, il fait non, vas-y, déconne pas et tout ça. Okay. On fait ensemble hier soir. On n'aura pas d'exclus, je suis désolé les amis. Pas d'exclus. À part qu'il va y avoir masse de clés Heroes of the Storm encore. Bon, ouais, ça, voilà. Donc n'hésitez pas à aller check les streams de Lorgar sur la chaîne Hearthstone ou sur la chaîne Heroes of the Storm. Non, pas de chaîne Heroes of the Storm, mais sur sa page personnelle. Voilà, vous avez juste à suivre son Twitter Lorgar SB, les amis. Merci beaucoup. On te fait plein de gros bisous et puis on te dit bonne journée. Merci à toi. Ouais. Ciao, ciao. Salut. Ciao, bonne journée. C'est toi qui raccroche. Ok. On raccroche à 3. 1, 2, 3. Ah, je t'ai... Allez, ciao. Bon, maintenant il faut que j'invite donc la prochaine personne. Attention, attention! Qui c'est que ça va être? Ta-ta-ta! Olé! Moi je sais, hein. Bon, c'est la surprise, mec. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, mais chut. Hop! Attention! Bon, je vais m'en coucher, il dit. Quel troller! Le porc. Le porc, donc cet homme a plusieurs visages et plusieurs vies apparemment, hein. Donc il a des enfants un peu de partout, des éliminés dans la Hola. France. Bonjour Carnage. Hello. On n'a pas ta caméra. Yo. Alors, pensez-vous que j'accepte? Accepter. Est-ce que ça marche? Oh, un Axe Chantin. Allez là. Ah, ça fonctionne, bravo. Ah, yeah. Merci. Un génie. Le regard a eu plus de mal que toi, donc t'es largement au-dessus pour l'instant. Hein. Ça va, là. Ça me rassure. Hein. Hop, est-ce que ton Twitter, c'est bon? Voilà, nice, Carnage MVP. On va mettre ça tout de suite en ligne. Nous revoici donc avec Carnage. Bonjour Carnage, comment vas-tu? Hello, bah écoute, ça va super et vous? Et ça va très très bien, là, depuis tout à l'heure, on est là en mode rigolo. On reçoit les gens justement de O-Gaming. Alors justement, donc tu fais partie de la TV généraliste. C'est qu'est-ce ça. Que tu fais ici? Sur la TV généraliste, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaissent pas, etc. etc. Je suis tout nouveau streamer de Dogaming, je m'occupe de la section World of Warcraft. Je suis anciennement joueur SK Gaming et Team Dignitas sur WoW, uniquement sur le côté PVP. Et Vince m'avait proposé il y a quelques années de stream pour Gaming, et vu que j'ai déménagé sur l'île, maintenant j'ai une bonne connexion, donc j'ai dit why not, et je me suis lancé directement... sur O-Gaming quoi. Et pourquoi ça n'a pas fonctionné là? J'ai changé ton Twitter mais il ne veut pas. Xsplit, please! Ah voilà, c'est bon, normal. Donc voilà, alors, Carnage, quel âge as-tu, si tu peux le dire, bien entendu? Où est-ce que tu vis? J'ai 22 ans et là, donc, je venais du sud et j'ai déménagé sur l'île. D'accord. Donc là, je suis sur l'île. Ok, donc ça te permet d'aller au gaming de temps en temps du coup?
Non, j'ai pas encore, je me suis pas encore déplacé. Ils m'ont mis des coups de pied au cul pour que j'y aille, mais j'ai pas eu le temps encore. La violence. Ouais, c'est ça. Si vous avez des questions à poser à Carnage, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est un WoWer. Donc grosse équipe quand même. T'as fait du PVP, donc c'est en 3-3, hein, si je dis pas de bêtises, ouais, le PVP sur pas, un... World of Warcraft. Normalement, ouais, les hauts classés sont en 3v3. Et après, du 2 contre 2 et du 5v5 pour le fun, quoi. D'accord. T'es monté à combien de rank? Là, je suis à double 2500 en 2v2 et 3v3. Donc, ça équivaut au challenger sur LoL, quoi. Ok. Bah justement, petite première question, voilà, comme ça, à brut pour point. Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Est-ce qu'il y a d'autres jeux? Le mec a 40 ans dans sa tête, quoi, il le dit direct, le mec a 40 ans. Ah putain. Donc, est-ce que t'as d'autres jeux coup de cœur à part WoW? Est-ce que t'as joué à autre chose? Est-ce que t'aimerais faire autre chose en stream? Alors, faire autre chose en stream, why not? J'avais déjà des propositions par Lord DVD de chez Millennium, vu qu'il joue avec moi régulièrement le vendredi. Ouais. En stream, donc on fait un duo stream chez Millie et chez O'Gaming. Et donc ouais, enfin, il voulait juste me mettre une énorme branlée à Street Fighter, mais à part ça, ouais, je joue un peu à LoL. Mais c'est vrai que je suis assez limité et j'aime Hearthstone de temps en temps, mais bon, c'est vrai que les jeux de patience et de réflexion, c'est pas trop mon genre. Ouais. Donc je reste sur WoW et je suis bien, quoi. D'accord, ok. Moi, j'ai une petite question. Oui, vas-y, Sandra. Non, je ne vais pas te demander qu'est-ce que tu ferais si tu étais invisible pendant une journée. Non, la petite question, c'est est-ce que tu joues au jeu console de salon? Est-ce que tu as une console de salon, etc. Parce que toutes les personnes qu'on reçoit sont sur PC. Oui, parce que ce sont des bonnes personnes. J'en avais une, mais vu que j'ai déménagé, j'avais un peu la flemme de la prendre. Du coup, je joue plus du tout aux consoles de salon. Non. Je joue plus du tout. Et t'avais quoi? J'avais une PS3. Ah. Il y a trop longtemps. Bien. Ah, Sandra, elle est contente parce que tu sais qu'elle a des actions chez Sony. Hein. Mais oui, je suis une pro Sony. Attends, je suis payé par Sony pour dire Sony. Tu vois, je gagne 1€. Entre PS3 et Xbox, il n'y a jamais eu de débat. C'est PS3 à fond, quoi. Enfin, c'est Sony à fond. Hein. C'est bien, c'est bien, tu as raison. Tu es du bon côté de la force. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Personne n'est perdu. Toi, Sandra, putain, dans pas longtemps, elle va t'inviter à aller manger un resto. Enfin, voilà. Mais non, faut déjà que j'aille voir Moderate. Moderate, attends. Il y en a plein qu'il faut que j'aille voir avant. Dap, est-ce que t'as une petite question pour Carnage? Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une cape d'invisibilité? Ah l'enfoiré! Pas du tout. Je sais pas du tout, je me suis jamais posé la question et on m'a jamais posé la question, du coup j'ai vraiment jamais eu le temps de réfléchir. C'est étrange, pourtant c'est une question assez commune. Apparemment, ouais, sur Gaming, apparemment, ouais, c'est plutôt une question qui revient souvent, mais je suis pas habitué. On a tous voulu faire du Harry Potter au moins une fois dans sa vie, quoi. C'est. Voilà. Ouais. Donc, du coup, t'as Harry pas de Potter, réponse. C'est de la bullshit, putain, sans déconner, quoi. Du coup, t'as pas de réponse. Non, enfin, voler des sous, je pense que ça me paraît hein, plutôt honnête, donc on part sur ça du coup. Plutôt honnête. Ah là là. Justement, est-ce que t'as écouté un petit peu ce qu'on a raconté avant, toute la bullshit qu'on a dit sur Blizzard? Parce que du coup, vu que tu joues à WoW, t'aimes la société Blizzard, est-ce que t'as... Moi, je les aime, enfin moi si je pouvais faire la bise à tous les télémarques du staff du Blizzard, je le ferais. Ah ouais? Non mais en fait, moi j'adore Blizzard, c'est vrai que le contenu est super bien, mais enfin comme des pros de Tarkov vont dire ou des pros de LoL vont dire, c'est qu'il y a un problème d'équilibrage et donc sur ça, c'est le seul problème que je trouve à Blizzard. Après leur jeu, le contenu j'aime bien. D'accord, ok. T'aimerais bien y aller à la BlizzCon un jour? Ouais, why not, ouais. Mais ouais. Après, je suis pas vraiment. Je passe pas énormément de temps non plus sur WoW. Enfin, sur WoW, j'aime bien me connecter et slacker à rien faire, mais. Enfin, je suis pas un gros fada de WoW non plus, quoi. Je prends en fait WoW, à la base. Enfin, j'ai commencé super tard et. Enfin, j'étais pas vraiment fan au début, quoi. Je le prends plus ça comme un sport où il faut vraiment donner envie de désinstaller le jeu aux mecs en face, en fait. Plus que moi qui ai envie de. D'accord. Il y a pas trop de là pour l'instant, je vois pas de questions sur le chat débouler comme ça. Es-tu célibataire? Non, j'ai ma copine à côté. Bonjour. Le mec, il a même pas hésité une seconde, quoi. On est bien à le fouet derrière. C'est ça, c'est le Elle est là. Attention. D'accord, OK. Non, OK, ça marche. Bon, elle nous entend pas. Non, c'est bon. Voilà, parfait. Elle regarde, elle a un œil quand même, tel un manager sur moi. Ouais. C'est ton coach un peu, c'est ton coach un peu. Elle a raison, elle te serre la vis un peu. C'est ça, un peu beaucoup, hein. Un peu beaucoup. Un peu les comme d'hab, quoi. Qu'est-ce que tu crois? J'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que des fois elle met des coups de pression quand même.
Non, non, je suis pas habitué, j'essaie de justement de connaître et de voilà de créer une liaison interweb avec les gens qu'on reçoit. Sandra, est-ce que t'as une question? Bah du coup, à mon avis, t'as plus de questions vu qu'il est en couple, non? Quoi? T'as plus de questions que vu qu'il est en couple, maintenant il t'intéresse plus, non? Mais oh non! Eh hey, mais les gens, pourquoi est-ce que vous croyez que je suis en chien? Ça se trouve, j'ai un mec, t'en sais rien? Non, la meuf, elle veut pécho tous les invités, quoi. Ça ouais, enfin, l'habitude, non, on a pratiqué, quoi. Non, je peux pas pécho tous les invités, merde, vous êtes méchants, merde. Alors en fait, non, c'est non. Juste qu'elle veut pécho un mec pour sortir du creusot, quoi. Donc il y a quelqu'un qui habite mais, en ville. Eh hey, mais t'as. C'est quoi, t'as un problème avec ma ville? C'est quoi, je vais venir sur Lyon, je vais. Putain, m'énerve. Non, j'ai une vraie question. Tu stream quel jour sur la chaîne O'Gaming? Je sais pas si tu l'as dit. Non, je fais le vendredi soir de 21h à minuit, donc ça c'est avec avec le collègue Lord DVD de Millennium où on fait du PVP. Et après on a voulu un peu élargir WoW et donc le samedi 17h à 21h je fais du leveling, donc je prends un perso du level 1 au 100. Et après le dimanche j'ai une nouvelle horaire qu'on m'a donné, c'est de 20h à minuit et je fais des raids et du PVE etc. En gros. Donc là j'ai tout le week-end complet quoi, je peux plus sortir. D'accord. Ah, plus de vie sociale quoi. C'est ça, là c'est mort quoi. Bon, déjà que j'en avais pas vraiment à cause de vous, mais là c'est la cata quoi. Il faut pas le dire, ça arrête. Après les médias ils vont encore dire oui, les jeux vidéo vous coupent du monde, nanana, vous vrai. Êtes tous des enfoirés à pas sortir de chez vous. Voilà, donc non. Les gens qui jouent aux jeux ont une vie sociale. Je vous rappelle que la vie sociale c'est TeamSpeak. Une fois que t'es connecté à un serveur TeamSpeak et que tu peux parler avec des gens ou n'importe quel serveur. Tu as une vie sociale, point. Arrêtez. C'est bon, on a la même vision, alors parfait. alors, petite question du chat, j'arrive pas à en trouver là, deux secondes, j'essaie de chercher. Non, il me pose des questions à moi. Si, Captain Over qui avait une question ouais. À Daft, savoir si t'étais bicurieux. Oui. Pff, n'importe quoi, sérieux quoi, mais please. Je vous ai déjà dit, hein, je suis une multiprise. Le mec se plug n'importe où, non, putain. Bah oui, bah voilà, mais bon, au bout d'un moment, moi j'aime pas le vide. J'aime couper les trous. Oh. On va trop loin, ça va trop loin mec. Non, du coup, allez, moi je vais faire un petit peu ma sérieuse. Qu'est-ce que donc Carnage, qu'est-ce que tes projets sur O'Gaming? Est-ce que tu vois est-ce qu'on te propose de plus en plus de choses? Bah là tu nous as dit que tu avais un programme assez chargé. Est-ce que tu vois ton futur sur O'Gaming encore plus évolué? Ouais, enfin moi si on me donne la possibilité clairement. Mais enfin, faut dire que l'équipe O'Gaming, c'est vraiment, ils sont vraiment trop trop cool et c'est, ils sont en mode grand frère sur moi, c'est un truc de fou. Quand je suis arrivé, je me suis dit, voilà, bon, je stream du WoW, c'est vraiment pas le truc sur O'Gaming et du coup, on va me lécher un petit peu, tu vois. Et en fait, pas du tout, quoi, ils sont derrière à fond et dès qu'ils peuvent, ils m'aident, etc. Donc, c'est vraiment cool et si je peux évoluer, clairement, je suis chaud, quoi. Clairement chaud pour rester sur O'Gaming. On te le souhaite. Il y a une question intéressante. Est-ce qu'il y a des bus dans le Creusot? Oui, il y a même une gare TGV, putain de merde. Non, mais il y a que la gare TGV. C'est, la ville est construite autour de la gare TGV. Il y a une gare TGV, il y a des bus, il y a. Y a pas c'est de... quoi le délire? C'est le Creusot, mais c'est ouais. Quoi ça? C'est ma ça, ville. Allez, bras. Okay. Non, j'ai dit Sandra, on dit pas une ville, on dit le village ou le bourg quand on parle du Creusot déjà. Le bourg. Vous êtes méchants, je suis dans les livres d'histoire, ok. Enfin, ma ville, hein, pas moi. Mais justement, c'est dans les livres d'histoire, c'est que ta ville est morte. Mais oui. Merde. Mais je suis tranquille, tu vois, c'est pas trop cher les apparts et tout. Et normalement, je peux avoir la fibre, c'est déjà pas mal. Donc on se détend, ok. Donc voilà. Petite question Carnage, rapidement. T'as dit que tu joues un peu à LoL. Est-ce que tu suis les compétitions LCS et toutes ces. Alors, le week-end je peux pas vu que on tombe en même stream en fait. Donc le LCS est pendant mes streams. Mais sinon, moi, j'adore regarder les restreams. Enfin, j'adore regarder LoL. Enfin, ouais. J'aime bien jouer, mais la communauté me dégoûte un peu. Mais sinon, j'adore regarder les pros jouer. Ouais. Clairement, c'est cool. Ok, d'accord. Est-ce que du coup, t'as dit que tu faisais du multiplateforme avec justement leur DVD. Ouais. Est-ce que ça t'intéresserait de parce que là du coup t'es plus chez SK maintenant. Ah oh non je suis là j'ai fini là SK Dignitas j'ai tout rendu là. Justement est-ce c'est que ça, déjà d'une est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience au niveau est-ce que t'étais dans une gaming house est-ce que t'étais chez toi enfin est-ce que c'est pas trop compliqué du coup de parler avec des gens qui parlent pas forcément ton langage et du coup de communiquer tout en anglais RIP Vince et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette expérience est-ce que t'aimerais en refaire avec d'autres structures si jamais on venait à te proposer quelque chose l'expérience que j'ai fait c'était il y a 4 ou 5 ans entre deux genres là où j'étais repéré par un joueur de la SK c'était un joueur canadien du coup pour la langue ça va en fait.
D'accord. Elle avait juste un accent coupé au couteau, donc c'est un peu la galère, mais sinon ça allait quoi. Et enfin, c'était vraiment, enfin, c'est là où mon gameplay a explosé quoi. Là, clairement, c'est quand vous jouez avec des pros pendant tous les jours de la semaine. Là, je vous dis que votre gameplay sur n'importe quel jeu, il va vraiment mais exploser. C'est un truc de fou vraiment. Et mais après, enfin, ça a été vraiment cool, mais enfin, maintenant, je suis plus intéressé sur le contact avec les viewers. Enfin. Quand je stream et que je vois le chat qui floue et tout, moi ça me fait kiffer et du coup j'ai clairement plus envie de repartir sur la scène pro. Je veux vraiment mettre sur le streaming à fond et là c'est pour ça que j'ai un peu raccroché le PVP et je me mets un peu sur tout, donc sur le côté PVE, le côté leveling, etc. Donc ça me fait du bien aussi de souffler un peu parce que c'est vrai que quand j'étais chez l'ASK et Team Dignitas, c'était tous les jours 5 heures par jour. À duel, après tag en 3v3, en 2v2, etc. Donc c'était assez intensif, c'était cool. Mais si je dois le refaire, c'est certain. Enfin, plus maintenant, quoi. Clairement plus, quoi. D'accord, clairement. Ouais. Donc tout ce qui est amélioration, tu sais, de l'e-sport avec l'amélioration qu'ils veulent porter sur justement l'e-sport WoW, le rendre plus accessible pour les gens à regarder. Parce que franchement, moi j'ai regardé des 3v3, sur, notamment à la BlizzCon. Ouais, et franchement, si tu connais pas. Ah, le problème c'est que c'est tellement compliqué, enfin il y en a qui vont dire non c'est pas compliqué, mais en fait si tu vas sur du PVP au niveau, enfin mais c'est impossible à suivre en fait. Parce qu'en fait le problème c'est que la rapidité du jeu, lui, il est proportionnel au niveau des joueurs. Du coup, bah si t'as pas leur niveau, bah t'es totalement largué en fait. C'est pas comme du LOL où tu peux comprendre, enfin t'as 5 personnes, t'as 6 touches on va dire, à part les trucs utilisables, bon tu suis un petit peu qui fait quoi en fait. Le problème c'est que ouais. Ben c'est tellement basé sur les cycles de contrôle et tout que t'es largué mais direct. Et même moi la BlizzCon des fois après c'est vrai que le système d'interface est super mal fait quoi. Ouais enfin, c'est ça aussi ouais. C'est trop trop mal fait quoi, il faut qu'il le revoie mais ben sinon je peux comprendre que niveau PVP si tu as la BlizzCon t'es vite dégoûté quoi. Tu te dis c'est quoi ces branques qui appuient sur toutes les touches Mais alors bon, que c'est pas du tout ça quoi. Non, alors que c'est vraiment. Enfin, c'est vraiment. Tout est basé sur la réactivité en fait. Savoir quand tu utilises ton trinket, savoir quel spell, comment faire quel spell, savoir quand tu mets le burst sur telle personne, etc. Ah, c'est ça. Enfin, tout est prévu à l'avance et il suffit que tu mettes le burst à une seconde avant ou après, bah t'as niqué la game quoi, clairement. Du coup, je continue sur les questions un petit peu de WoW, après on changera de sujet, mais vu que t'as fait donc un peu de scène internationale, t'as fait des compétitions en LAN, t'as bougé. Ah non, jamais en LAN. Le truc c'est qu'en fait, quand t'es là SK Gaming, c'est qu'ils sont à fond sur les LAN et tout. Même toutes les grosses teams, ils vont payer le train, etc., l'hôtel pour aller en LAN. Le problème c'est que nous en fait, WoW. Enfin, chez l'ASK, c'est vrai qu'ils ont pas trop favorisé les LAN. Enfin, moi, quand je suis arrivé, la team Dignitas, ils avaient un petit peu arrêté ça parce qu'ils avaient des gros joueurs comme Hydra et tout ça. Ouais. C'est vraiment les monstrueux de team Dignitas. Et vu que j'étais un peu le petit Frenchie à côté, en fait, eux, ils voulaient plutôt que je m'occupe, vu que j'avais une connexion à chier, que je m'occupe surtout des tournois internes, en fait. Enfin, directement en ligne, en fait. Et donc, ils m'étaient toujours avec un Canadien, un Anglais. Je rebondis sur la communication qu'ils m'avaient demandé, ça allait. Parce que même s'ils font comme tonne sur l'accent, ça passe quoi. Ouais. Mais sinon, non, j'ai fait aucune LAN, je crois. Enfin, c'est pas vraiment leur souhait en fait, si tu veux. Généralement, quand t'as une grosse équipe comme la SK ou quoi, même chez les Gambit et tout ça, en fait, ils te mettent en gros une team que tu vas toujours voir devant, avec, je sais pas, Edward, etc. sur LOL, en fait, que tu vas toujours voir en LAN. Et t'as deux ou trois teams en externe, en fait, qui vont être toujours sur les tournois en ligne, en fait. Et c'est pas forcément celle qui on envoie LAN qui rafle le plus quoi. D'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Et tu veux dire la vitrine. Ouais, c'est ça, mais ils mettent souvent la même vitrine en avant quoi, en gros. D'accord, ok. Je sais pas si c'est une question que tu vas pouvoir répondre, etc. Mais vous étiez sous contrat quand t'étais chez SK, du coup t'étais payé pour jouer? Non, en fait, justement, vu que moi je suis pas. Quand t'es pas accès au LAN en fait, t'as pas vraiment de contrat payé en fait. T'es juste. Enfin, t'as un contrat. Enfin, je sais plus c'est quoi le nom exact, mais en gros, on te fournit le matériel, par exemple. Donc le matériel, ça, ils m'ont fourni, ils m'ont payé le PC, etc. Ouais. Mais sinon, non, vu que, si tu veux, j'ai aucune réelle valeur marchande pour eux, vu qu'on me met en avant, je pouvais pas stream. Du coup, à part m'envoyer plein de fournitures, un PC, clavier, souris et tout ça, j'ai pas été payé, quoi. D'accord, ok. Les copains, petite question, là, sur le... Est-ce que moi première, Prems, s'il te plaît, est-ce que tu vas faire des événements style dans l'année là en rapport avec les compétitions WoW ou autres? Est-ce que tu vas participer à des événements? Est-ce que tu vas être caster? Est-ce que si ou ça?
Je sais, là, c'est, enfin, on n'a pas du tout encore parlé de ça. Vu que, enfin, même si on me proposait ça, il faudrait que, franchement, que je m'y mette sérieusement, que je m'entraîne, parce que caster du WoW, c'est clairement pas caster du LoL ou du StarCraft, quoi. c'est super barbare, quoi. C'est, ouais, c'est dur. Juste la folie, ouais. Quoi. Et donc, enfin, moi, ça me dérangerait pas de caster ça. Il faudrait juste que je m'entraîne un peu. Parce que je vois bien ce que les joueurs font, mais le retransir, enfin, à l'oral et à la même vitesse d'enchaînement ouais. que font, enfin, c'est le bordel. Enfin, moi, quand je joue, j'essaye de faire ça en stream, de quand je vais en arène, dire ce que je vais faire en avance, etc. Un peu bah, comme Sky fait quand il joue, etc. Sur LoL. Mais le seul vrai projet que j'ai là pour l'instant, c'est que je vais faire. Je suis en train de préparer une VOD sur les add-ons utiles sur WoW, ouais. les add-ons, et je vais faire aussi une VOD ensuite sur les macros. Pour ceux qui sont intéressés pour monter à 2200-2400 de cotes sans vraiment se prendre la tête, je vais faire des petites vidéos tuto comme ça. D'accord. Parce que c'est vrai que WoW, quand tu viens. Lors DBD m'a fait une remarque, il m'avait dit, lui qui était fan du PVP, il m'avait contacté par Twitter, il m'a dit voilà, je suis chaud pour faire du RBG avec toi, etc. J'ai dit why not. Et en fait, quand on est allé en arène les deux, lui qui était un gros joueur PVP, il m'a dit, enfin, c'est en fait quand on arrive dans le jeu qu'on voit la différence de niveau qu'il y a entre les bons, enfin les pros et les joueurs basiques PVP en fait. Ouais. Et du coup, ça l'a un petit peu dégoûté, donc j'ai essayé de le remettre sur les rails pour qu'il rejoue, mais c'est vrai que ça peut vite dégoûter WoW quand on tombe sur un bon joueur, quand on est joueur moyen, enfin c'est la folie, qu'on peut strictement rien faire. Du coup, je vais mettre en avant ce que j'ai récupéré avec mon expérience et le mettre sur des petites VOD pour essayer de que les gens évoluent quoi. Tu joues quoi comme classe? Là, je joue druide et sinon ma main classe c'est mage. Ok, d'accord. Dab, tu t'as voulu poser une question ça? Non, j'ai rien qui me vient. Peut-être des conseils sur WoW. Moi, des joueurs comme moi qui sont pas attirés par les MMO de base pour tout le côté XP, leveling que je trouve trop long, ouais. trop pénible. Est-ce que toi, t'as des conseils là-dessus ou est-ce que tu conseilles aussi les persos directement au niveau 90 ou pour toi c'est de la crap? Moi, en tout cas, je vais te rejoindre sur le truc du leveling. Moi, c'est un truc qui m'exaspère, mais au plus haut point. Le seul moment où j'arrive à XP, c'est quand je suis en stream parce que y a les viewers derrière, ils te motivent à fond, etc. Mais enfin, tu vas jamais me voir en off-stream XP tout seul. Ça, c'est même pas la peine. Ça, c'est plutôt me tirer une balle. Mais après le perso 90, ça peut passer. Après, c'est relativement cher, je trouve. Désolé, bizarre, je vous fais des bisous, mais c'est vrai que 50€ pour le level 90, faut pas se foutre du monde non plus. Mais j'en ai pris deux. Non, mais après, c'est. Le mec, c'est je suis triste, quoi. Non, mais je trouve que c'est vraiment trop cher, mais sinon... Après, le level 90, si t'as jamais joué à WoW, enfin, tu vas être... Ah, justement, est-ce que tu vas pas trop être perdu pour un débutant? Non, parce qu'ils te donnent les spells au fur et à mesure. Ouais, ouais. En fait, maintenant, d'accord. Ils ont fait un système de quête, comme dit Daph, c'est qu'en fait, tu gagnes des spells. Bon, après, quel spell, prio, etc., c'est un peu plus chaud, mais si tu veux, ils ont cassé au taquet le gameplay, en fait. Donc, ils ont diminué normalement le nombre de sorts Blizzard. Ils ont un peu casualisé le jeu et il y a les hardcore gamers qui font ouais c'est nul, ils ont casualisé le jeu. Moi je trouve ça très bien en fait, ils casualisent un petit peu le jeu, qui donne un peu WoW accès à tout le monde. Donc tu peux, mais il faudrait que quelqu'un, que t'as un mec qui s'y connaisse, qui t'aide un peu pour te retrouver quoi. Mais après libre à toi de payer 50€ pour ça. Ouais c'est ça. J'ai piscine ce jour-là. Sandra oui. Tu dois partir à quelle heure? Je dois pas partir, j'ai jusqu'à 13h aujourd'hui. D'accord, très bien. Non mais c'est bien parce que je savais pas. Merci. Et si, je te l'ai dit en début de semaine, mais vu que tu n'écoutes pas quand on te parle. Oh mais j'écoute pas les femmes. Quoi? Mais alors toi, je te jure que si je passe par Grenoble... Mec, si jamais elle arrive à trouver de l'essence dans le creusot, elle arrive. Mais toi, mais pareil qu'il y a des voitures maintenant qui marchent avec de la bouse de vache, hein. Tu peux y aller. Ça, vraiment, c'est connard. Ouais, mais nous on a une mini tour Eiffel au Creusot. Hein. Oh, ça, pardon, excusez-moi. Carnage, petite question. Est-ce que t'as une activité externe? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu. Avant WoW, j'étais à fond dans le sport. Je faisais du foot, des arts martiaux. Et sinon, j'ai fait pas d'études, etc. J'étais dans l'événementiel. Donc, ouais. C'est moi qui m'occupais tout ce qui est concert. Soirée en boîte de nuit, etc. sur Biarritz et sur Cannes en fait. Et nice. J'ai un peu laissé ça une fois que j'ai fait une soirée à Cannes, ça m'a un peu dégoûté. Et du coup j'ai fait ok, je touche plus à l'événementiel de ma vie et je vais me mettre aux jeux vidéo, puis basta. Il a vu l'alcool, la coke et les prostituées, il a dit non, moi je pars sur WoW. Non, surtout c'est qu'on a eu une idée.
Avant que je joue à WoW, ouais, je faisais du sport et tout. Bah non, c'est plus ça. Non, c'est vrai que j'ai un peu lâché, mais en fait, l'événementiel, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une soirée à Cannes et c'est plutôt mal passé vu qu'il y a eu carrément une fusillade dans la boîte. Ah, sympa. Du coup, j'ai fait bon, allez, l'événementiel, je prends la valise avec les billets et je me tire et salut Cannes, je reviens plus jamais chez vous. C'est très mafioso là-bas. Petite question pour ma part, si on ne te l'a pas déjà posé ou si tu as déjà répondu, hein, j'ai pas tout écouté, je dois avouer. Voilà. Comment t'as commencé sur WoW? Si tu vas peut-être le répondre, hein, je te dis. J'ai commencé super tard, c'est à la deuxième extension WoW TLK, donc l'extension level 70 à 80. J'étais au lycée, comme je l'ai dit, j'étais sportif avant, dans le temps j'étais sportif. J'aimais sortir et respirer l'air pur dehors. Et genre, le problème, c'est que j'avais un copain qui était nul au sport et je lui disais à chaque fois, j'aimais bien le taunt, je te bats sur tous les sports. Il m'avait dit, ouais, mais sur WoW, je te bats. Et du coup, ça m'intriguait, j'ai dit, hop. Et du coup, j'ai téléchargé WoW, je me suis mis à fond. Et c'est vrai que le leveling m'a saoulé de ouf, mais je me suis dit, voilà, c'est pour la bonne cause, je veux le retrouver au lycée, lui dire que je comprends le pseudo en mode carnage, tu vois, c'est ouais d'accord, t'étais un gros compétiteur. Je me suis entraîné pendant des mois, il m'a mis des branlées pendant tous ces mois et puis et justement j'ai croisé le joueur donc de la SK qui m'a repéré par la suite et j'ai joué pas mal de temps avec lui etc. Moi qui me propose le contrat et j'étais bien content le jour de retrouver mon pote et le 1v1 en duel et l'exploser. Et du coup, c'est comme ça que je me suis mis sur WoW et du coup, je suis resté. Je me suis dit, bon voilà. Et tu l'as gagné, tu l'as dit, t'as vu qu'il l'a pas vu pendant 2 ans, il est arrivé, il a fait dedans, t'as pas. Non, mais c'est ça. Et après, l'autre, il fait, ouais, mais moi je fais du sport et tout, j'ai une vie. Donc voilà, garde sur ton jeu, tu sais. L'inversement, putain, pas mal. Belle histoire, belle tranche de vie, Cardage, merci beaucoup. Je vais l'écrire dans mon Pokédex. Oh non, non. Oh, mais s'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît, arrêtez. C'est quoi cette émission aujourd'hui? Donc Carnage, alors est-ce que tu peux, alors on peut te retrouver sur Twitter avec le hashtag, avec le pseudo Carnage MVP. Est-ce que j'ai mis non en fait c'est pas El Carnage, hein, c'est juste Carnage, mais pourquoi il fait non, ça, explique. Je sais que j'ai des, ouais d'accord, j'ai des origines latino, mais non, c'est Carnage tout court. Hein. Juste Carnage, voilà, Carnage MVP, donc tu peux resituer un petit peu tes horaires sur gaming pour ceux qui. Ouais, donc le vendredi c'est de 21h à minuit sur pour du PVP au côté. Le samedi de 17h à 21h c'est du leveling et après le dimanche de 20h à minuit c'est du PVE, donc des raids etc. D'accord, ok, super. Et ouais, donc tu nous as plus ou moins répondu pour les objectifs de PVP. Qu'est-ce que je peux te demander sur WoW encore? C'est vrai que pour moi c'est un jeu maintenant, comme je te disais, j'ai du mal à suivre. Je trouve ça joli, je trouve ça bien en plus parce que j'aime bien la compétition. Le problème c'est que j'attends vraiment Blizzard qu'il nous sorte une espèce de V2, tu sais, du mode arène où on va vraiment plus comprendre ce qui se passe, peut-être avec tous les spells plus ou moins, vu qu'ils, tu sais, comme ils ont réduit le nombre des spells, peut-être qu'on pourrait avoir le cooldown général des spells, etc. Ça pourrait être sympa. Quoi. Mais ils ont mis ça un petit peu sur la BlizzCon l'année dernière, j'ai vu avec le collègue Laser Chicken qui a gagné la BlizzCon, ils ont mis un petit peu genre les plus gros CD utilisés quand le mec utilise un blanket, donc comme blanket c'est un silence à blanc etc sur la cible, mais bon, enfin genre tu vois un sort juste violet avec des yeux, enfin tu le dis what the fuck, c'est quoi ça, mais pour les joueurs de PvP on se dit ah bah il a blanket sur un cast etc, enfin. Mais c'est vrai que après, enfin bizarre, je capte pas. Ils ont un petit délire là, c'est que par exemple, tu sais, les brackets de tag en PVP, c'est V2, V3, V5 et RBG. Je sais pas pourquoi. Alors moi, je me suis fait chier à monter en 40 matchs à 2400 de cote en V2, et puis ils m'ont dit en fait non, t'es bien mignon mon gars, mais en fait le bracket V2 sert à rien, t'as plus de récompense. Et du coup, je suis un peu déçu, donc je me retrouve avec mon perso à 2400 de cote, et en fait ça sert à rien. Du coup, je suis un peu blasé. Mais donc du coup, enfin, il faudrait déjà qu'il se mette dans le PVP lui-même pour qu'il remette ces récompenses-là et après quoi, qu'il nous sorte un petit V2 au niveau de la présentation du PVP, parce que c'est vrai que c'est ça là. Ouais, enfin, à comprendre, mais... c'est super barbare quoi. Je pense qu'ils vont le faire quand même. Hein. Là, clairement, ils pensent vraiment le faire parce que c'est vrai que WoW, ben, comme on le dit là, de regarder un stream même quand t'es technique, c'est lourd, hein. Franchement. C'est lourd. C'est... Non, mais c'est... Enfin, ouais, ça donne même pas envie de regarder en fait. Même les systèmes de barre de vie, genre, à un moment, tu sais, ils zooment sur le mec qui est loqué en cam, ils ont mis la barre de vie en plus gros, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Ça, genre.
c'est irregardable, quoi. Enfin, moi, je regarde parce que, bah, il y a des collègues que je connais qui sont là-bas. Du coup, j'aime bien regarder, voir ce qui est leur performance et tout. Mais sinon, je préfère largement regarder du StarCraft ou du LoL que du WoW. Ah, c'est beaucoup plus agréable visuellement. Ouais, clairement, j'espère qu'ils vont se bouger, qu'ils vont se donner un petit coup de pied. Sinon, je vais leur mettre pour qu'ils changent ça. Parce que s'ils veulent aller dans l'e-sport, il faut faire des efforts, les petits gars. Ouais, c'est ça. Tiens, justement, on parlait tout à l'heure de Overwatch. Je sais pas si t'avais entendu. Est-ce que c'est un jeu que t'attends ou pas? Alors, moi, étant donné que je suis, je crois, le pire joueur FPS au monde, je pense que là, je vous bats tous, en fait. Tu peux le faire en TPS aussi, hein. j'avais joué à CS et je me suis dit, voilà, j'ai fait deux parties, je touche plus jamais. Mais quel CS? Et, CSGO avec Moment. Ok. Bon, clairement, il m'a dégoûté du jeu. Et du coup, j'ai vu Overwatch, j'ai fait, oh, trop cool, enfin, les images ont l'air sympa. Et là, j'ai vu le gameplay, j'ai vu les mecs qui tirent, j'ai fait, ok, vas-y, laisse tomber, c'est pas grave. je le mets de côté. Ouais, mais après, tout dépend si tu joues à clavier souris ou si tu joues à la manette. Alors, ouais. c'est pareil, moi, tu mets même un vrai pistolet, je vais tirer à côté, quoi. limite, je vais te faire des signes sur les murs, mais c'est tout, quoi. Je vais te dessiner, quoi, c'est tout. Mais ça a l'air sympa, et en plus, apparemment, ils vont mettre les persos sur Heroes of the Storm, un truc des genres, ils ont dit non. Oui, c'est des persos qui sont connus, hein, de l'histoire de Blizzard. En gros, les persos d'Overwatch vont être inclus dans le Nexus. Voilà. Ce qui est bien, finalement, hein, tu vois, ils permettent de mettre toutes leurs licences, comme ils ont dit. Hein. On sait pas quoi foutre comme background, donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un Nexus, et tout le monde est pas dedans, clair, voilà, au moins. Les mecs, c'est un méga crossover, c'est la sauce. C'est ça, méga crossover de tous les temps avec tous les héros de Blizzard et bientôt les héros d'Overwatch. Il y en avait quelques-uns qui étaient très 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 badass. Le singe, il est pas badass, le singe. Avec les lunettes. Moi j'aime bien, il y a un gros gorille avec les lunettes là. Ouais, c'est un espèce de gros tank, j'ai l'impression, lui. Ouais, c'est ça. Lui, par contre, je pourrais bien jouer, vu qu'il tire pas, ça me va. Mais moi, j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner. Dap, Sandra, une petite question avant la pause pour Carnage. Tu m'as stressé. La petite question troll, allez-y. Vous avez le droit à une question troll. Ah, on a le droit à une question troll. Allez-y. Attends, tu m'as stressé. La petite question troll. Non, mais ça va, ne joue pas ta vie. Non, mais je veux une bonne question, tu vois. Je veux une bonne question. Ah, ouais, quel est ton Pokémon préféré? Pikachu en cas de coupure de courant, c'est tout. non! Ah, ça c'est va. Tout. Tu te sauves, ça va. Merci. C'est le seul que je connais, donc c'est parfait. Moi j'aime bien Loupoutou, il est gentil. C'est un truc avec qui fait des bisous partout là. Merci Sandra. Ah, il fait des bisous partout et puis tu sais, il est un peu. Tu vois, toi. Dap, une petite question troll. Est-ce que tu as réservé tes places pour 50 Shades of Grey? Ah, mais tu vas pas aller voir à la Saint-Valentin avec ta copine? Non! Le mec, est-ce qu'elle t'a proposé? La Saint-Valentin de samedi, elle va stream avec moi si elle a le temps pour le début de soirée, vu que je fais 17h là. 17h-21h, après on va commander McDo et c'est tout. Hein, enfin, une Saint-Valentin à la Jones. Une Saint-Valentin à la Jones, quoi. D'ailleurs, elle stream ta chaîne ou pas? Non. Non? Même pas avec toi de temps en temps? Non, c'est trop une princesse pour stream, madame. Elle aime pas. Elle aime pas se mettre en avant. Hein. Toi, tu veux pour un attaqué en live, toi. Ouais. Mais... En plus, on l'a vu passer derrière tout à l'heure, mec. Elle va te mettre une tarte. Ah, t'as pas peur, hein. T'as pas peur, hein. Ça va être du sweating direct. Hein. Et moi, là, à côté, elle a un mode d'attaque, là. Non, mais ce serait bien qu'elle te fasse une petite attaque. Alors, il faut qu'on arrive à te faire dire de la merde. Attendez, il faut qu'on réfléchisse. Les enfoirés. Les amis, on va faire une courte page de publicité. Donc, pour l'instant, c'est Carnage qui est avec nous. Et ensuite, on reviendra pour la fin de l'émission. On fera un petit débrief de tout ce qu'on a vu, de toutes les personnes qu'on a entendues, tout ce qu'on a dit aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir avec nous avec le hashtag GeekMorningLive ou sur le chat Twitch. Je vous rappelle que vous pouvez le faire de ces deux façons. Vous allez pouvoir poser une question troll chacun. Donc, les 230 personnes qui sont sur le live, chacun pourra poser une question troll à Carnage à la fin. Et ce sera dans la dernière partie d'émission. Donc voilà, de commencer déjà à réfléchir, il faut que ce soit bien sucré, bien salé s'il vous plaît, hein, pour que ça se finisse bien les amis. On se retrouve dans 5 minutes. Ouais, on se retrouve dans 5 minutes. À tout de suite les copains. Et go. Re les amis. Allez. De retour avec Carnage sur le Geek Morning, il est 12h36, quasiment la fin de l'émission. On est là, on va essayer de, voilà, en un mot, rapidement, essayer de décrire l'émission, comme on fait à chaque fois. Donc, on va commencer par... Alors, Carnage, t'as pas été là toute l'émission, je crois, donc t'es arrivé en cours, mais si tu devais décrire l'émission rapidement, en un mot. Cool. On se moule pas trop. Cool. C'est comme quand tu dis à une fille, bah, t'es mignonne, hein.
Ah, il est cool, il est bien brave, il est sympa. Il est bien brave. Ouais, non, bien brave, ça fait, c'est scandaleux ça. J'avais déjà regardé en plus notre émission avant. C'est vraiment ça m'a problème parce que je suis pas fan de technologie, du coup, je suis vite largué, mais enfin, je trouve que c'est cool quoi. Okay. Mais t'inquiète, je suis vite largué aussi. Ouais, je suis vite largué au niveau de la prononciation d'anglais de Vince. Mais... Ouais, ça c'est un autre problème ça. chat, si vous aviez un mot pour décrire l'émission d'aujourd'hui, donc je vous rappelle, hein, petite présentation, on a reçu donc Moderate, on a reçu Lorgar, et maintenant on est avec Carnage, donc trois ogémiens de la chaîne Généraliste, qui vous propose du contenu dans la semaine. On refera un petit topo avec toi rapidement pour où te retrouver, quand te retrouver, hein, pour bien que les gens impriment et viennent te voir dans tes streams. Dab, si t'avais un petit mot pour décrire l'émission. Nothing. Ah mais tu vas pas le dire à chaque fois. je dirais Creusot. Ouais. Putain, t'es vraiment désenculé. Tu sais qu'il y a une question, pardon, qui sortait sur le Creusot tout à l'heure. Hein, je te l'ai dit sur le. Oui, je l'ai vu. Sandra, si t'avais un petit mot pour décrire l'émission. Fus. Je sais pas. Voilà, fus. Très bien. Le chat apparemment c'est Blizzard. C'est vrai qu'on a bien ce côté Blizzard avec le regard quand même. J'avoue, ouais. Et puis après, on reçoit un invité, enfin voilà, on a fait dans le gros Blizzard aujourd'hui. Hein. Ah, vous avez fait la totale. Ouais. Ah, après, on n'a pas fait la pub de Blizzard, on a dit les pour, les contre, enfin on essaie d'analyser un peu tout ça quand même. Alors, je comprends pas trop la question troll de Captain Over, c'est combien pour aller vivre au Creusot avec sa semi-tour Eiffel. Ah, c'est combien, combien tu voudrais prendre par, ah, exemple, ouais. Par exemple, allez, Carnage, pour combien t'irais vivre au Creusot avec Sandra et la demi-tour Eiffel. Je ne peux pas. Mais faut pas vivre avec moi. Il faut pas vivre avec moi. Je suis. Non mais. Calmez-vous. On est dans l'hypothétique, hein. Donc Carnage, tu vas pas vraiment quitter ta copine. Sandra, tu vas pas vraiment faire Carnage. On est dans hypothétique. Là. Pour dans le Creusot. Ouais. Ouais. Tu vois le centre de la France. Ah, mais règle le nom, tu le vomis. C'est le Creusot. Regardez où c'est à peu près. Je vais te dire. Mec, tu prends le centre de la France. Tu dessines un anus et c'est là. Ok, c'est là. Oh, ouais, d'accord. Je sais là quoi. D'accord. Par mois ou un prix comme ça là. Ah non, un prix. Ouais, par mois ça passe. Hein. Par mois, allez, 500 euros par mois. Oh, ah, pour 500 euros, oh, ça va. Eh, ça va, tu te payes mon loyer, ah, mais... hein, ça va. Ah, mais mec, avec ça, il achète un château avec ça, mec. Il rachète la ville, mec. Attends, il y a Killer qui dit un truc très sympa sur le chat. Il dit voilà, je suis célibataire, les amis, si vous voulez m'offrir quelque chose pour la Saint-Valentin, allez-y, envoyez vos messages. Le message le plus sympa et le plus sexy gagnera, et puis du coup, bah, je vous offrirai un repas pour la Saint-Valentin. Donc allez-y, hein, allez-y, les amis. Sérieux ? Ouais, je fais ma petite pub tranquille comme ça. Ouais. Allez, si tu veux, pour la Saint-Valentin, tu me donnes ton Snapchat, je t'enverrai une photo de ma tub. C'est quoi, j'allais la faire, Dap. On fait pas le Snapchat, wesh. Si tu veux, Dap, on fait une fusion. On t'envoie une photo de nos deux tubs qui se touchent, mec. Non, mais arrête, je veux pas faire des cauchemars, merde. Ah, mais mec, mais Dap, tu vas voir qu'il y a un trou au bout de ma tub, il va essayer de plug. Hein. Non, Luxis, mon loyer n'est pas de 500 euros, j'ai dit qu'il payait mon loyer largement avec 500 euros. Mon loyer n'est pas de 500 euros quand même, je suis au Creusot, hein. le loyer flambe. Grave, je vis au Creusot, tu sais, un loyer de 500 balles. Mais là, on dirait qu'il y a un appart, mais elle est juste au-dessus de la grange, hein, il y a des vaches en dessous. Hein. Mais oui, qu'est-ce que tu crois Attends, là, je vais aller tirer mon lait. Hein. Il y a une question intéressante, Gorillaz Rouge qui dit Garnage, se peut-il qu'un jour tu fasses du PvE hardcore? Ouais. Bah, là, le vendredi, c'est que là, on y va en PvE en mode soft, mais bon, je suis clairement pas. Je suis une bille en PvE, parce que dès qu'il faut respecter les strats, etc., je suis pas là quoi. Clairement, mais sinon, ouais, clairement, dès qu'on va clean là, le mode normal et le mode HM, on est en train de monter un rooster mythique, là, donc le dernier mode de difficulté pour ceux qui connaissent pas. Et donc, du coup, hein, bah, c'est prévu, mais pas de suite, là. D'abord, on doit finir les modes de difficulté inférieurs. Oh, la question trop. Il a oublié de muer Carnage. Oh. C'est pas cool, hein. Non, c'est vrai. Pas bien. Du coup, on va régler ça en 1v1 IRL. Et après, on ira sur WoW. Et 1v1 aussi sur WoW. Pour toi, c'est quoi le plus dur match-up en 1v1 quand tu joues mage? Quand je joue mage. Après, c'est 1v1. On va prendre un type 1v1 tournoi. Je pense que c'est. Enfin, il n'y en a pas vraiment en fait. Peut-être Rogue, un bon Rogue peut vraiment te la mettre vénère. Mmh. Mais ouais, Rogue, je dirais. DK, tu gères? DK, ouais, ça va. C'est, il faut juste bien t'imposer CD. DK, j'ai du mal, par contre, c'est Android. Android, vu que je joue Druid Feral.
Ah, on chie un peu, quoi. On chie un peu. Mais sinon, ouais, t'as pas vraiment de gros match-up compliqué. C'est quoi, en ce moment le build sur mage en PvP, c'est Frost ou Arcane? Non, c'est Frost. Il y en a qui jouent Fire, mais c'est l'élite des mages qui jouent Fire. Hein. Des mecs qui, ça fait 10 ans qu'ils jouent Fire, du coup ils jouent Fire. Mais c'est mage, toujours, enfin c'est toujours mage Frost qui domine. Ouais. Bah trop de contrôle, toi. Salut. Ouais, c'est ça. Salut. Mais d'ailleurs, ça fait, il y a un gros burst avec la, comment ça s'appelle, là, l'espèce d'orbe là qui, que tu pop là, ça fait super mal ça. Ouais, c'est, si tu veux, le problème de mage c'est que. Enfin, quand tu regardes le leader, il y a beaucoup de mages qui sont dans le top leader. Et c'est que les joueurs ont du mal à comprendre ça, c'est qu'ils disent... s'ils voient une classe dans le top leader, ils disent « elle est vraiment pétée en fait ». Mais il faut juste se dire que ces joueurs-là, c'est les mêmes qui étaient dans le leader la saison d'avant, la saison d'avant, la saison d'avant, la saison d'avant en fait. C'est pas parce que vous voyez des classes sur le leader qui sont vraiment pétées. Et le problème de mages là, c'est qu'en fait, ils ont un énorme burst, donc comme tu dis, il y avait l'orbe, etc. C'est toutes les minutes, mais en dehors de ce burst, en fait, bah, t'es clairement à poil, quoi. Tu mets pas de dégâts, c'est ça le problème. Mais sinon, c'est un énorme burst, ouais. Tu peux coucher un mec sous un switch, ouais, y a pas de soucis. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est cool, c'est que pendant ta phase où t'as non burst, tu peux contrôler, quoi. Ah ouais, non, mais clairement, c'est ça mage, hein. C'est une classe de pupute où tu passes ton temps à sauter le mec, quoi. C'est ça. Voilà. D'accord, ok. Petite question troll pour finir, Dap. Non, pas troll, j'ai eu une question assez intéressante sur le chat. Donc je vais la répéter, c'était Eruga, je crois. Qui demandait si t'avais testé Guild Wars 2. Vu que il y a Guild Wars 1 et 2 où quand même il y a le PVP qui a une petite réputation. Donc ça, t'avais déjà testé un peu, savoir ce que t'en pensais. J'ai joué, on va dire quoi, une semaine pas mal à Guild Wars 2. J'ai trouvé ça trop cool, le système de tu passes un level et tu peux directement aller en PVP. Ça m'a fait mon bonheur total. Du coup, je me suis dit, j'ai pas spammé à tuer des cochons toute ma life. Du coup, je suis allé directement en PVP. Et le gameplay, enfin, je l'ai trouvé, relativement simple. Mais du coup, c'est facile d'accès à tout le monde. Mais sinon, ouais, c'est du WoW pour, en plus simple, en fait. Et j'ai joué, c'était le Rogue, là, c'est déjà, enfin, une classe similaire au Rogue. Qui peut devenir un hunt, enfin un truc bizarre avec de l'énergie, et je trouvais ça assez cool. D'accord. J'ai fait des trucs assez sympas. Mais sur après, Guild Wars 1 ou 2 Le 2. D'accord, ok. Après j'ai vite décroché, parce que forcément en fait quand on cherche un MMO similaire à WoW, malheureusement un ou deux mois après, grand max, on revient sur WoW, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Ouais, on a tous pareil, hein. On a tous testé, je crois que j'ai testé tous les MMO de cette galaxie, et à chaque fois je suis revenu sur WoW. Hein, donc... Ouais, c'est ça le truc, c'est... WoW domine, quoi. Ils ont pris tous les meilleurs éléments de tous les MMO qui ont existé et ils ont fait WoW, quoi. Ils sont trop d'avance. Hein. J'ai même pris l'édition collector de Wildstar. Apparemment, Wildstar, j'ai pas joué. J'ai joué 2 semaines. Ouais, mais oui. Ah, mais mec, mais la quenelle, quoi. Oh là 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 là. Non, mais moi, je suis le roi que. Là, je me suis pris tellement cher en 2014. Mais tellement cher sur les jeux vidéo, vraiment, c'était. Sandra, une petite dernière question pour Carnage. Non. Tu l'as réveillé, putain. Tu m'as pris de court. J'étais en train de regarder une pub sur Yoplait et du coup tu m'as perturbé. Ok. Non, je n'ai plus rien à dire. Je suis obligé de facepalm là. Je suis obligé de facepalm, c'est plus possible. Ah, je n'ai plus rien à dire, désolé. Oh purée, mais what the fuck, sérieux, quoi. C'est quoi cette équipe, quoi. Et là, voilà, on passe pour des bouffons, hein, devant les gens. Mais ouais, et mais moi Carnage, je suis, quoi. C'est pas grave, c'est pas tout grave. Le temps non, comme mais ça, non, ce Carnage, excuse-nous. Mais... Carnage, c'est pas contre toi, je te rassure, hein, je te respecte, hein, mais non, c'est parce que j'avais pas de questions, tu m'as pris vraiment de court, voilà. Tiens, juste, puisqu'on parlait à Saint-Valentin avant la pause, on va faire un petit tour, hein, sur le chat. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez prévu pour votre chérie ou vice-versa. Dap, qu'est-ce que tu vas faire pour la Saint-Valentin? Non, ça va être tranquille. Je vais cuisiner pour ma meuf. On va se faire une petite soirée posée, petite fleur, petit cadeau, tranquille. Oh. Normal. Oh. Ouais, je suis un classique. Enfin, après, il y a toujours les cadeaux qui viennent du sex shop, mais bon, c'est après le repas. Il peut pas s'empêcher de dire. Il peut pas s'empêcher, quoi. Le mec, tu vas me poser la question que pour ça, quoi, pour que je parle de fion. T'as bien compris. La Saint-Valentin, putain, c'est le jour du fion infini, quoi. Mec, on est là pour ça, quoi. C'est vrai. Sandra, du coup, toi, t'es célib, mais toi, tu as fait un appel au chat, c'est ça? Bien sûr. Je rappelle que si vous voulez passer une bonne soirée de Saint-Valentin, vendredi ou samedi, envoyez un beau message sur le chat ou sur mon Twitter officiel. Mon Twitter, pardon. Et celui qui aura le plus beau message, je lui offrirai un repas romantique. Non, mais faites pas ça, mais. Non, mais non, faites pas ça, hein. Tu veux faire un repas au Creusot, quoi, sans déconner. Mais c'est bon, il n'y a pas que au Creusot. En plus, je suis à Paris demain. On peut faire ça à Paris, hein. Parfait. Pff,
Azar qui dit soirée baise normal, point. Ok, merci, merci. Ah, mais au moins le mec, pas de furiture quoi. Au moins le mec, pas de furiture quoi, tu vois. Tu veux faire quoi, Daft? Raconte. Rien. Ah, mais mec, arrête, fais pas à moi, pas à moi. Tu veux pas rien faire. Carnage, tu veux faire un apéro. Carnage a dit lui qu'il allait faire une soirée McDo pépère devant stream. Ouais. Ah oui, au calme. Au calme, ah, ça va. Oh, bah ça va alors, hein. Putain, mais Daft, pas... il balance pas, Daft, hein. J'ai mec... ma vie personnelle. Ma vie personnelle. Ouais, tu vas faire quoi, Daft, toi? Moi, je vais regarder des streams. Quel gros mytho, mec, il va se faire chasser s'il fait ça. La Saint-Valentin, c'est le jour du fion infini, Nox, février 2015. C'est pas Nox, c'est Dap. Nox, c'est une autre personne. On peut mettre deux Nox dans un Dap d'ailleurs. Hein. Ouais, c'est vrai, on peut mettre deux Nox dans un. Mais on peut laisser cette citation à Nox, hein, ça ne me dérange pas. D'accord, ok. Les amis, l'émission arrive à sa fin, les copains. Merci beaucoup, Carnage, d'être passé. On est vraiment désolé, c'était n'importe quoi hein, aujourd'hui, clairement. T'es pas arrivé dans la meilleure émission, je peux te le dire. Oh merde, génial quoi. Bon timing. Ouais, gros timing. Bah écoute, merci, c'est très sympa d'être venu. Donc, est-ce que tu peux rappeler rapidement les jours et les heures sur lesquelles les gens peuvent te retrouver? Ouais, donc du coup, c'est le vendredi soir de 21h à minuit où vous allez voir du PVP Ranked à 2400-2500 plus de cotes. Le samedi, c'est du leveling de 17h à 21h du level 1 au level 100. Et le dimanche, de 20h à minuit, c'est du raid PVE avec la guilde au Gaming TV au complet. D'accord, ok. Et la guilde au Gaming qui se retrouve sur quel serveur d'ailleurs? Archimonde côté Horde. Ah oh là, la honte quoi. Voilà. Archimonde et Horde quoi. J'ai fait un reroll à Lille le samedi, c'est pour ça. Ah, ok, d'accord. Voilà les amis, et eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé le Geek Morning. Demain, dernière émission de la semaine, ensuite c'est la Saint-Valentin. Et oui, c'est au week-end, hein, donc ce sera le week-end des amoureux, bien entendu. Demain c'est vendredi 13, hein. Moi j'ai peur de venir à l'émission personnellement. Non, mais je veux jouer au tour. Oh, mais arrêtez. Moi j'ai peur. Ah, j'ai peur. Ça. Toi d'ailleurs, tu vas à Paris, toi, fais gaffe quand tu te déplaces, hein, Sandra. On sait jamais ce qui peut se passer hein, vendredi 13. Hein. À Paris, mais non, je crains rien à Paris. Je serai en dehors de Paris en plus demain. J'y suis vraiment ce soir. Ouais. On te demande ta chaîne YouTube, vu que t'as dit que t'allais faire des tutos, ouais. Apparemment, c'est des gens qui sont intéressés. Là, j'ai pas de chaîne YouTube. Akenar m'a proposé de directement balancer la VOD sur le YouTube au gaming. Du coup, c'est ce que je vais faire. Enfin, j'attends vraiment de finir ma VOD, voir s'il est de bonne qualité pour me créer une chaîne YouTube à part ensuite. Okay. Là, le contenu suffit pas du tout pour que je crée une chaîne YouTube. D'accord, ok, bah parfait. Voilà, donc vous allez pouvoir peut-être retrouver les VOD donc de Carnage qui va vous expliquer comment jouer à World of Warcraft si jamais vous êtes un gros noobard. Et des petits tutos, voilà, comme ça pour vous permettre d'avancer. Donc, Dab, cette émission est faite pour toi. Hein, voilà. Je vais regarder, hein. Moi, je vais suivre attentivement. Il prend un ticket, là. S'il vous plaît. Les amis, on vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci à tous d'avoir regardé le Geek Morning. Merci à tous ceux qui ont sub à la chaîne d'ailleurs. Merci beaucoup. Mm-hmm. Big up à eux. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Il n'y aura pas Sandra. Il n'y aura non, pas d'app, non. Hein, donc demain je serai tout seul, voilà. Demain je vais faire un one-man show. Donc ça on verra, hein. On verra comment ça va se passer. Non, il y aura probablement, j'espère, Vince et Chloé, il faut qu'on essaie de la récupérer là, parce que je sais pas du tout ce qu'elle fait le vendredi. Donc voilà les amis, je vous souhaite à tous une agréable soirée, une agréable après-midi, jouez bien, portez-vous bien, et sur ce, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Gaming, plus. Restez pluggés, Carnage, hein, qui sera donc, voilà, il sera là ce week-end, donc voilà, allez le voir, gros bisous tout le monde, merci à également Lorgar et Moderate, n'hésitez pas à suivre leur contenu également, bisous tout le monde, salut. Salut. Ciao.